Attendez, mais regardez. Est-ce que vous connaissez salut, le maître des fleurs? Bienvenue dans le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies, on pose des questions, un QCM, on regarde qui a faux, qui a juste. J'idée. Ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. JD ? Ouais ? Ah, yo mec ! Yo, ça va ? Ça va et toi ? Ça va mec, je t'ai dit bonjour et tu t'es full mute casque, bizarre. Ah putain, non en fait j'ai mis un son au même moment et je crois que j'ai mis ce clic. Ouais. Ah ouais, ouais, grave, ça t'inquiète, ça arrive. Le pire, c'est que c'est vrai, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai paniqué, j'arrivais pas à arrêter le bouton. Ouais, pas de soucis, ça m'arrive tout le temps aussi. Le pire, c'est que c'est putain de réel. Je te jure que c'est vrai, mec. Il y a des gens sur mon live, ils sont témoins, c'est parti en couille, on parlait d'un truc. D'ailleurs, tu sais de quoi on parlait, mec? Non. Tu sais comment on dit goyave en français? Ah, c'est quoi la blague déjà? Bah, non, je sais pas. Ben, en fait, il y avait effectivement sur Lingui, quand t'appuyais sur la prononciation, il y avait un bug, tu vois, et ça disait littéralement « randomise mm », avec comme ça un vrai truc. Pardon ? Ça disait « randomise mm », voilà. Ah ouais. Et genre vraiment, et en fait, là, on m'a dit « ouais, ça y est plus », je suis allé voir, et ça y est plus. Genre, ils l'ont enlevé alors que ça faisait au moins un an que c'était « randomise mm ». C'est trop bizarre, je suis abattu, ils l'ont enlevé. On en a peut-être un peu trop parlé. Mais t'as des preuves. Randomise. Oh, c'est bon, mec, on peut encore l'écouter sur le maîtredesfleurs.com. Randomise. Ah. Randomise. Bonjour. Bonsoir, Mister JD. Bonsoir, Étoile. Et bonjour. Bonsoir, Rivendi. Bonsoir, Étoile. Bonsoir. Ça peut être Internet, en fait, toi, où tu pédales. C'est randomise. Quoi, Non, je c'est bon, randomise. Là, j'ai récupéré Internet, c'était chaud. Mais là, c'est bon, ah, je l'ai récupéré en rapide, genre, t'as allé le trouver en bas de chez toi et hop, tu l'as remonté dans ton appartement. Vous avez des problèmes d'interweb? En fait, j'ai regardé le ciel et j'ai récupéré la lumière qui avait été enlevée dans l'ordinateur et du coup j'ai un meilleur débit. Randomise. En fait, quelqu'un lui dit ou on attend encore? J'ai pas entendu. En fait, pense, la vraie histoire, c'est genre Étoile ce rat, il voulait jouer à son jeu là et du coup il a dit qu'il serait en retard parce qu'il avait pas internet. Je l'ai vu, il a dit, tu sais, on dit tous rendez-vous 20h, et là Rayou il écrit « Oh non, putain, moi je serai là 20h30, désolé. » Oh, et j'aurais dit ça à 19h47. Oh non, les gars, j'avais pas vu le message. Putain, les gars, il est 20h13, bande de chiens, on est même pas tous dans le vocal et tu parles avec moi, toi. C'est réel, mais nous on est là, frère, donc tu respectes. Bah ouais, bien vu. Vas-y, en vrai, au pire, créer une room, on attend qu'il y ait tout le monde pour faire les nouvelles maps, et puis voilà. Non, parce que déjà, je pense qu'on va faire les nouvelles maps déjà parce que la plupart ont pas joué les nouvelles maps. Ouais, mais on attend que tout le monde soit. Je veux dire, on attend qu'on soit les 7 quoi. Bien sûr. Nous sommes les 7. Des maps random en attendant. Comment ça, on est 7? Il y a Angle, Antoine. Ouais. Oh, allo. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai découvert un nouveau site qui est très sympa. ChatGPT, je sais pas si vous connaissez. ChatGPT, je sais pas si vous connaissez. Non, c'est Chronophoto. Ah oui, j'en ai entendu parler. Très sympa. Tu y étais là? Ouais, je faisais ça en vous attendant. Je vais faire mon petit daily. Fais ton petit daily. Jamais joué de ma vie. Ah putain, c'est stylé, tu dois mettre... ouais, la date à laquelle la photo a été prise. Ah, intéressant, superbe. C'est assez cool en vrai. Tiens, le dire. Ah bon, en vrai là, je pense... Ah ouais, c'est une sorte de géoguesseur des photos. Trop c'est exactement ça, des dates de photos. C'est génial en vrai. Plus exactement, bien sûr. Évidemment. En vrai, c'est sympa, on m'en a parlé, je viens d'en faire quelques-uns. J'ai envie de les mettre. Sache que mon record est de 3800 points sur 5000, donc c'est pas si mal. Ah, si vous souhaitez me battre, bien sûr. Ah, si, fou, si vous voulez juste aller me tester. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est Étoile qui joue là, j'entends ça. Oh non, je suis nul à chier. C'est Étoile qui fait son jeu de rythme là. Ah, je suis à chier. 1930, incroyable. C'était 1945. Ah ouais, je voyais ça un peu. Ouais, il y a des photos parfois, t'es assez étonné. Hein. Ah ouais, je voyais ça un peu. Ouais. Je 45, mais what? Mais ils avaient déjà des chapeaux à cette époque. Ah, c'est dur. Je crois qu'on va y jouer. Ils avaient des chapeaux bien avant, mec. Ah ouais? Non, ah ouais, les chapeaux, c'est pas à l'époque. Ils avaient des chapeaux, non. C'est pas vrai. Non, mais non. C'est pas vrai. En 1902, ils portaient des chapeaux, j'y crois pas. C'est pas vrai. Je souhaite des trucs. Ils avaient des maisons, les man, putain. Vu que Larou a été inventé en 1912, ça me semble fou qu'ils aient déjà des chapeaux quand même. Ouais. Alors attends. Je dirais 95. Faut que je baisse le son de la Switch des mains. Non. Hop. Je viens de faire combien de points? Horrible. 8. 8 points. Ça fait 8 points en tout, c'est pas mal, mec. Non, j'ai fait 1424. Je suis tombé sur un truc un peu tristou, quoi. Genre, ok. Ah mais non, mais c'est le daily, on l'a tous du coup, je suis con. Mais moi j'ai pas fait le daily. Ah mais en fait, il y a des événements, c'est ça?
Il y a un ladder ou c'est comment? Non, mais je veux dire, il y a des moments marquants de certains pays, pas forcément positifs. En fait, hein. Des moments, je comprends pas. Non, putain, je sais pas comment l'expliquer, vous me saoulez. Je sais pas comment le dire. Voilà. J'ai pas les mots. I have no word. Ok, c'est bon, je suis sur MK, je vous attends. En vrai, c'est quoi la dernière fois qu'on a joué ensemble là? C'était. Bonsoir, Flangle. Salut. Bonsoir, Evenzy, la star de Jean. Oui, c'est vrai. C'est ah oui, faut que tu nous racontes, putain. Ouais, ça va être rapide. Bah, on n'a pas joué, mais j'ai vu que t'as appelé Jean-Luc Reichmann, mec. Alors, j'ai effectivement appelé Jean-Luc Reichmann, ouais. Est-ce qu'on attend que Ultia vienne pour ou est-ce que finalement on s'en fout, elle avait qu'à être à l'heure? Elle avait qu'à être à l'heure, moi, très grave. Bon, on s'en fout. Allez, donc non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé un appel hier à Popcorn, parce que du coup, on parlait de Exakill, qui a gagné 65 fois son émission, l'émission N'oubliez pas les paroles. Mais il a gagné 320 000 balles. C'est pas Reichmann, c'est Nagui, N'oubliez pas les paroles. Oui, mais je vais y venir. Oh là là, pourquoi t'as pas appelé Nagui? Bizarre. Oui. Bizarre, le concept. Attends, juste étape par étape, Antoine, s'il te plaît. Okay. Et donc, du coup, la balle me revient dans la discussion et PA me dit « Bah, toi, c'est vrai que t'étais passé, t'as eu les bandes, t'as pu voir ton passage. » Je dis « Bah, toujours pas. » Et je profite qu'il y ait du monde qui regarde cette émission pour lancer un appel à TF1, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me renvoyer les images? Est-ce que vous les avez quelque part, etc. Ouais. Et le lendemain matin, ce matin, je suis en train de streamer du coup là, et les gens me taguent, oh mec, sur Twitter, il y a Jean-Luc Reichmann qui t'a répondu. Et du coup, je vois le tweet de Jean-Luc Reichmann en mode, voici un extrait de ton passage, je l'ai retrouvé en fouillant. Mais je peux voir l'extrait suite... Ouais, tu peux. Sur Twitter. Bah, on peut voir l'extrait sur Twitter. Aïe, dommage. Bah, je te l'envoie si tu veux, tu pourras quand même le voir. Et en fait, il me dit le reste dans ta boîte mail. Et du coup, j'ai reçu le WeTransfer avec mes deux épisodes des 12 de midi auxquels j'avais participé. C'est free content, ça. J'étais champion un soir. Et donc, du coup, on va faire une petite soirée react, un de ces quatre. Peut-être incroyable. Avec Incroyable. Et ouais, c'est ZZPod qui a retrouvé les rushs, effectivement, c'est tout à fait ça. Voilà, je vous envoie le lien dans notre conversation, je vous envoie le lien. Vas-y, je vais écouter ça, j'arrive. Vas-y, je vais te bloquer. 850. Je vais te bloquer, mec, dépêche-toi. J'ai envie de regarder ça. Rive, j'ai trop envie de regarder ça, du coup. Bon, après, c'est 22 secondes, hein. tranquille. C'est un fake compte de Jean-Luc Reichmann. Bah, c'est-à-dire qu'il a eu au téléphone. Je crois vraiment pas que ce soit un fake compte, quand même. Théo, que vend la boutique que Scarlett Johansson a ouverte fin octobre à Paris? Soit du popcorn... Non, la coupe. Oh non, non, il s'est fait une raie. T'es mal à raie. Oh. La raie est clean. Pas le BG ultime. Non. Que vend la boutique que Scarlett Johansson a ouverte fin octobre à Paris? Soit du popcorn, soit l'autre. Non, mais tout est génial. Le regard. Johansson a ouverte fin octobre à Paris. Soit du popcorn, soit l'autre. Je pense que c'est l'autre. Derrière l'autre, il y a des vêtements pour bébé. Et c'est... du popcorn? Oui. Théo. Malheureusement, ouais, c'est la défaite là-dessus. Bon, ça spoil un peu, mais... En fait, il y a été deux émissions, je crois. Je crois que c'est ça, le bail. Ouais, c'est un peu dommage, il a été éliminé là-dessus. Et je crois qu'il fera un react riff sur sa chaîne de son passage. Oh là là, il flop. Non, il a quand même gagné. Il a gagné une journée quand même, enfin une émission. Mais c'est le pire extrait, c'est sa seule défaite, c'est horrible. C'est genre c'est infâme. C'est vrai, t'avais une sacrée raie par contre, c'est vrai. Ouais, j'avais une très belle raie. Mec, la raie que t'as, je suis mort. Ouais, mec, elle est au détail. Faites au cutter. Et du coup, sachez que c'est ce jour-là que j'ai rencontré. Aïe. Est-ce que c'est une photo qui a mal vieilli? Aïe, je vous l'envoie. Dieudonné. Je l'ai vu, je sais. Non, mais tu connais. Ouais. J'ai la rêve de cette photo. Tu veux voir la photo? Je t'envoie la photo. Il va parler du Christian. Ouais. La photo. Elle est où la photo? Un peu mal vieillie. Je vous l'envoie dans la conve. Ah oui, c'est une photo avec Hitler, effectivement. What the fuck? Ça a mal vieilli. Tu sais, on était en 1933, ça avait pas. Non. La photo a mal vieilli. Est-ce que tu l'as montré ou tu veux pas qu'on la montre? Ah merde! Moi, je l'ai montré à l'instant. Ah non, je vais pas la montrer. Vous pouvez. Oh merde.
Non, c'est bon, Christian c'est bon. Quesada, messieurs dames. Christian Quesada. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Il faut savoir que cette photo a été prise après les affaires judiciaires. Oui, oui. Bah, il y a deux semaines, hein, celle-ci. Ils sont très, très proches pour le coup. Ils sont très, très proches pour le coup. Très au courant à ce moment-là. Non, bah, pour moi, il n'a pas de preuve, donc bon, bref. Enfin, bref. Non. Tous ces gens-là, je pense qu'on les juge un peu à tort. Bref, on verra ce que la justice dira. Oh, l'angoisse. L'angoisse du type. Évidemment, la photo a été prise bien avant tout ça. Et voilà, en 2017, pendant que je passais à l'émission, il était là et il récupérait le chèque. Donc, c'est pas toi qui l'a fait sortir quand même. L'histoire ? Non, c'est pas toi qui a fait sortir Christian Quesada de prison. Non, du jeu. Non, c'est pas toi qui a fait sortir Christian Quesada. Putain. Là, s'il avait perdu face à toi, mec. On n'arrive pas à se parler. Quel play si tu l'avais fait sortir ? Ouais, en vrai, très beau play si tu l'avais fait sortir. Imagine si je l'avais fait sortir. Dehors ! Ah non, c'est pas moi. Mais donc non, on a retrouvé le passage et ça sera une soirée react, un de ces quatre, je sais pas quand encore exactement. Un de ces quatre, quoi. Mais voilà, quoi. Ça va être bien, ça va être bien. Ça va, étoile, c'est bien, alors sérotonine ? C'est super, mec. Ah oui, ça a l'air de fou, mec. Le jeu est trop bien, apparemment, là. Non, mais je suis en rayou 2019 en ce moment. Là. Non, qu'est-ce qui se passe, bro ? Oh, non, qu'est-ce qu'il y a, mec ? Il va chuchoter sur son live. Oh non. Oh non. Oh, non, je peux pas dire ça. Je sais pas, je suis dans un mood un peu sombre et endormi en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, bro ? Non, mais y a aucun problème, continue la soirée, moi je suis là pour jouer. Ok, allez, bon. tu peux exprimer ça en japonais si tu veux, Rayou, hein. Tout ce que t'as sur le cœur. aujourd'hui, je m'appelle Shori, c'est okay. Victoire en japonais. Victoire ? Ah ouais. Je crois que t'avais dit que c'est Victor en japonais, je me disais ok, c'est HD. Je veux faire que gagner de toute façon. Mais il s'appelle Victor en vrai. Oui, pardon, my bad. Ouais. C'est Ryan. Ouais. Oh là là, Rayou. Bah, c'est top. Ok, donc t'es dans un mood un peu chelou. Non, vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. On en parlait, on est juste là entre nous, mec. Hein. Franchement, n'hésite pas. Il manque qui là ? Il manque Ultia. Ultia, comme d'hab. Il est 20h23, j'aurais pu finir Mélatonine. Oui. Ouais, en vrai, ouais. C'est quoi Mélatonine ? Je suis désolé. C'est un jeu de rythme dans un mood un peu sommeillé. En fait, c'est genre tu fais des rêves et avec les rêves, tu dois. Enfin, il y a des épreuves de rythme et le jeu est génialissime. Le jeu est trop trop bien. De toute façon, je kiffe les jeux de rythme. Ah, j'aime trop les jeux de rythme et je trouve que il est trop trop bien fait. Et là, pardon, vas-y. Vas-y. Non, je viens de voir que Florence est mute depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est volontaire ou pas. Oups, je réagissais, mais personne ne réagissait. Je me suis dit, ok, c'est la vie, c'est pas grave. Oh non. Mais putain, mais ça arrive tout le temps. Non, j'ai dit quelle horreur les jeux de rythme, voilà, moi c'est mon... Oh, c'est trop bien. Non, moi j'aime pas les jeux de rythme, c'est pour ça que je trouve ça nul. Mais si t'as le... Mais bien sûr que si t'as le sorcery, je t'ai déjà vu marcher. J'ai déjà vu marcher. Je sais pas si t'as... Je me suis fait bait par le métro, c'est vrai que depuis les années 50, on prend le même métro, je suis con. Bah oui, parce que sinon tu tombes. Bah regarde, c'est une histoire de muscle, je pense, non? Plus que de rythme, à mon avis. Bah non, mais genre tu te rends pas compte, Ponce. Ponce là, vas-y, parle. Bah salut, j'espère que vous allez bien, c'est super cool. T'as le sens du rythme, ça fait « Salut, j'espère que vous allez bien, c'est une sicilienne ternaire. » Il a pas du tout dit, mais il a pas du Quoi tout. C'est exactement ça, mais vous comprenez rien à la musique, en fait je suis musicien. Vas-y, fais-moi une question sur la musique et le rythme, Rayou. quel groupe de DJ ont révolutionné la face du monde lors d'un concert réalisé dans un événement caritatif qui a récolté 10 millions d'euros ? The Chainsmokers. Exactement, c'est tu connais très bien, mec, hein. En termes d'électro et tout, t'es très très fort. Ouais, je suis très très chaud. Qui se souvient de Ultia ? Ultia, ouais. Ouais, bah en vrai on va la regretter. Abominable. Je trouve ça bizarre qu'elle est... Elle nous regarde de là où elle est, hein. Ouais, franchement, on l'embrasse. Hein. On l'embrasse. Elle nous regarde de là où elle est, terrible. Aucun drama, le chat, vous inquiétez pas. J'espère qu'elle joue au ping-pong avec Kurt Cobain et Jimi Hendrix. Ouais. Le club des 27. Ouais. Magnifique. Ça me ferait plaisir. Bon, qui crée la room là ? C'est Ponce qui doit créer. Mais ah, pardon. Crée pas. Ah, si. Non, si, là, je suis en train de faire la room là, justement. Oh, j'ai dit justement. Juste game alors qu'on je veux juste game. Nous, non, mais c'est bon. T'as combien d'heures de jeu sur les nouvelles maps, JD là ? Ah, bon, bonjour, les stars 4. Sont toujours en retard. Trop marrant, c'est la dernière fois que tu fais ça. Waouh! Wow. Il est hostile JD ce soir! Oh, wow. Il est très hostile! Il est très hostile! On aime ça quand il est hostile JD, hein! Il est incisif! Coquin, on a envie de te mordre! Hein? J'arrive sur. Ok, pas de King Shaming. Ok, super, pas de King Shaming. Coquin celui-là. Non? Coquin, le petit. Voilà, SF full mute, tout simplement. Ok, super. Bah en fait, on l'a fait chier, je pense, à mon avis. Je pense qu'on va jouer avec elle dans la room, mais elle sera juste mutée, je pense. Elle jouera en parallèle de nous et.
pas. Hein. C'est top, quoi. Super bon. Je compte des bottes, elle a dit. Ça grésille, ça faisait longtemps. Ah, nice. Oh. Alors, ça ne grésille pas chez nous, hein, flangle, hein, sache-le. Non, c'est quand pour une tu fois que c'est... lances le game capture, il y a une fois sur deux où ça... Bah, si jamais les viewers de Florence, ça grésille pas chez moi, si vous voulez voir le jeu qui grésille pas. Oh, mais il a déjà 25 000 viewers, là. C'est pas vrai. C'est pas 25 000 vrai. Oh, ça fait beaucoup. Vous pouvez me rejoindre, pas, j'ai fait la room. J'avoue. D'accord, un peu stressé. Moi, je télécharge la mise à jour. Ah non, c'est bon. C'est bon, elle s'allume sa Switch. Ah si. Rif. Ah, moi, c'est bon, elle s'est allumée, ouais. C'est good. Non, ok, c'était la question. Ouais, c'est bon, elle est on. Elle est complètement on pour le coup. Moi, la room est ouverte. Hein. Ouais, j'arrive. Ouais, je suis juste dedans. Un petit moment. Voilà. Top, top, top. Toutes les photos de ma bite. Qui c'est qui a. C'est quoi, qui a fait ça? Ah, ça y est. Ça vient de le alien avec Tomska. Oui. Mais qui a samplé ça? Probablement Rivenzy. Ah oui, il est trop fort. Ah, c'était un vrai sample. Ah ouais. Putain, toutes les photos de ma bite. Oh, je suis tombé sur cette vidéo l'autre jour, j'ai passé un excellent. Ah, vous aimez bien regarder des petites vidéos que j'ai fait dans le passé, bien sûr. Ouais. Ah, c'était obligé, obligé. Ah, moi, c'était. Non. C'était peut-être que j'ai. Oh, quoi? Oh, t'étais super dans ce rôle quand tu jouais à un français. Oui, non, mais c'était bien. Franchement, allez voir cette vidéo, l'Alien, hein, bien sûr. Mais c'est quoi l'Alien? C'est quoi cette vidéo? Le Alien, c'est une vidéo que j'ai fait sur la chaîne de Tomska, qui est un youtubeur britannique. Et voilà, je joue un français cliché. C'est un rôle de composition, on peut le dire. Hein, avec béret, marinière, baguette de pain. Et ça a été tourné quand? Et de l'ail. En 2016, je crois. Ok, c'est de la fiction. C'est ça, c'est un sketch de 1 minute et demie. Est-ce que c'est vraiment de la fiction? Je sais pas. C'est un mélodrame, je dirais un mélodrame. Hein, je pense Antoine, on peut le dire. Bien sûr, bien sûr. C'est de la fiction. Avec quoi? Samy Paul. Tout à fait. Non, mais j'ai passé un très bon moment parce que ce rôle de voilà où tu joues ce français malmené, un peu mis en difficulté, je trouve que ça allait vraiment tout, bien. Raconte pas tout. Ah ouais, spoil pas non plus quoi. Allez, regarde ce banger, on peut le dire, de 2016. Hop, je me mute une seconde juste pour vous dire qu'il y aura normalement un codenames qui aura lieu, mais je sais pas exactement vers quelle heure. On va jouer au moins une heure et demie, je pense, à MK quand même, et après on passera sur codenames. Mais je sais pas, peut-être 22h, 22h30 peut-être, un bail comme ça. Ah, c'est une phase qui s'étend un petit peu quoi. Ouais, c'est un peu long, hein. Ça commence à être un peu long, mais bon, écoute. Ça arrive fort. Le projet arrive. Ça arrive. Non, mais c'est parce que Macron a sucré les aides aussi, Antoine. Et voilà, et c'est reparti, Florence, mais on ne peut pas t'en empêcher. Hop là. Ah, il se passe pas une toujours à vouloir taxer notre ami. Macron démission. C'est une haine viscérale en fait. Déjà que t'as ruiné le The Event la dernière fois avec ça, maintenant tu veux ruiner le Ponce la Switch avec ça encore, non? Je trouve ça abusé. Florence et moi, on a ruiné les deux derniers The Event, franchement. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, putain. Les casseuses d'ambiance, sérieux. Casseuses d'ambiance, les grognettes. Ah ouais. Vous avez été trop chiantes, quoi. Oh, les grognasses, quoi. Les grognasses. Quel bon dégris, franchement. Est-ce que la dernière personne qui n'a pas rejoint peut rejoindre, je vous en conjure? On n'est pas copines pour rien. Est-ce qu'on peut jouer, putain? Je vous en supplie, est-ce qu'on peut jouer? Il n'y a pas de join, je suis sûr que c'est Rivenzy. Putain, mais ta gueule, toi, avec ta sonde d'armée. Il a samplé le monde entier, ou quoi? J'ai pas de l'Elysée, parce que vous parlez en mode de président, c'est insupportable. Mais ça va. Mais tu défends notre président, mais bon, quel est le sens? Pourquoi d'un coup tu te mets à le défendre? Mec, ça n'a pas de sens, avec des samples en plus. Putain, il est même pas dans la room, retourne. Il est 20h29, on est dans le lobby, sérieux. Retourne te branler sur du chouchen là, vas-y, go jouer. Excusez-moi. Non, pas de soucis. Par contre, je veux bien que tu me traites de collabo, de tout ce que tu veux, par contre. Non, non, non. Non, non, mais tu vois, c'est la barre qu'il fallait pas dépasser, tu vois, à ce moment-là, c'est la ligne verte. La ligne rouge, en fait. Non, la ligne verte, c'est pas ça, c'est un film exceptionnel. Donc, ne rabaisse pas à ma culture, qui selon toi, j'imagine, est une sous-culture. Et toi, je ne t'ai jamais fait ressentir ta différence non plus, donc fais attention. Fais attention. Ah oui, c'est cool. Donc, c'est quoi ma différence, Rivenzy? C'est le fait que je suis d'origine algérienne et ça te dérange? Je n'ai jamais dit ça. Ah oui, toi. Non, mais donc ça te dérange? Non, ça te dérange. Mais rejoins la room! Rivenzy, au lieu d'être raciste, putain! C'est lui qui a commencé. J'ai commencé à me parler de mon chouchen et j'ai trouvé ça hyper violent. Moi j'ai vu Rivenzy dans le privé, il m'a dit ça me dérange. Voilà, il non, mais d'accord. Je cite. Non, mais d'accord, nous étions au bord du lac de Tenons les Mains, effectivement, nous en avons parlé. Ça me dérange.
si tu veux que cette soirée je m'appelle pas Ryan et Edmond, pour te faire plaisir, Victor, ce sera Victor. Ah bah oui, Victor. Pour récompenser tes fantasmes de raciste, y a pas de problème, mec, mais bon, c'est pas grave. Et parfait, allons-y, n'est-ce pas? Mais rejoins la room! Oui, mais viens, je t'en conjure, tu fous quoi? Je suis en mouvement. Pardon, je suis sûr, il y a genre là. Ah, ça fait 3 jours que je suis en gueule de bois, donc doucement. Ah oui, c'est. T'as quelle belle soirée, quand même. Un jour de gueule de bois, c'est ça, en fait. Quelle belle soirée. On peut lancer. Moi, j'ai bu 3 pintes et j'étais par terre. Vraiment. Moi, j'ai bu. La fatigue, hein. Et j'étais par terre aussi. Moi, j'ai bu 2 coca et j'étais en mouvement. T'étais debout, mec. J'ai bu 2 bouteilles de bière, j'ai l'impression de m'être plongé dans un fût, en fait. Je comprends pas. J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est ce qui s'appelle vieillir, en fait. C'est l'âge. Bienvenue. C'est que je suis rentrée vraiment de l'after de Speedon à 5h30 du matin, les yeux écarquillés dans le RER. Tout le monde allait travailler, ils étaient tous propres, ils sentaient la marche de la honte. Ouais. Quoi des... C'était fallait vraiment la marche. Ah, j'ai pas mis des IA. Ouais. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je découvre. Ah, ça va. 900 heures de stream sur le jeu, putain. 1500. Ouais, putain. Vous en faites beaucoup, hein. Vous en faites beaucoup. 1500 heures de stream sur le jeu. Mais du coup, je pensais que c'était plus. Un peu moins, en vrai, un peu moins, je crois. Ah, je pensais que c'était très bien. Bah, c'est beaucoup 1500 heures sur un jeu. Oui, c'est vrai. J'imagine que la soirée Speedon était gérée par Poca. Ah, c'est trop bien. En plus, on va devoir remonter toute la liste là. Qui avait été privatisée. Ah, ben. Super. Ah bah c'est pas moi, hein. c'est les dons, généreux donateurs, bien sûr. C'est les dons qui ont privatisé. Là. C'est les dons qui ont privatisé. Hein. Il y a 20% qui sont allés pour la soirée. Ah non, bien sûr, on a privatisé le Georges V à côté des champs, là. Ah, malaise. Et voilà, quoi. Bon, bah, on fait pour le que tout le monde soit par terre avec juste 2 bières, là, je comprends pas. Bah, la fatigue. Et post-confinement, ouais. Fatigue, machin. Bah, t'as vu, franchement, le week-end de fou. Donc, voilà. Ouais, le week-end de fou. Avec le week-end que vous avez passé, c'est normal. À faire plein de trucs, fatigant. On est tous très âgés, ouais, c'est ça. Certains plus que d'autres, quand même. Ah merde, il faut que je joue, moi. Faut que tu cliques. Excusez-moi. Clique mon bro. Je pensais à ma vie. Clique mon bro. Ouais. Et alors? Non, mais je regardais un match de League of Legends. Ah, mais oui, c'est vrai. Envie de passer ta soirée avec nous, pareil. On m'a proposé un shooter avec Viager et je sais pas pourquoi, j'ai eu l'instinct de dire non et le lendemain je me suis béni de fou, je me suis dit ça aurait fait une très bien joué. Mais ouais, c'était le verre de trop. Chiche, juste avant de partir, il est venu me voir, il m'a fait tu revues une bière? J'ai fait. Qui c'est qui est parti? Qui est parti? Non, t'as pas été chiche? Allez, on lance. Pourquoi? Pour recréer. Ouais, c'est pas vrai. On fait une panne du DLC pour commencer. Ou sinon, bah, on fait tous chacun de notre côté, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de soucis. Let's go. J'ai fait un chant vocal pour chacun d'entre nous. Vous voulez pas qu'on fasse tous du contre-la-montre, genre? Ouais, voilà. On se dit notre temps, le nom fun de la soirée. Et autant, on voit qui est le meilleur, quoi. On peut faire comme ça si vous voulez. C'est moi. Je peux rejoindre, du coup? Bah oui. Non, attends, je refais. Je refais. Il recrée la room à cause de toi, Antoine. Ce ponce, le lobby est trop bien. C'est parce qu'il est toujours pas branché en Ethernet, en fait. Attends, quoi? Alors qu'on n'arrête pas de lui dire qu'il faut acheter le truc. T'es toujours pas branché en Ethernet? Mais si, mais ça n'a rien à voir. Non, mais il a pas trop les moyens. Faut bien sub chez lui, hein, s'il vous plaît, c'est important. T'es branché en Ethernet, maintenant? Non. Ah, toujours voilà. Pas. Oh, c'est une honte. Ça joue un peu, en vrai. Bien évidemment que ça a à voir. Bien sûr. Mais ça a totalement à voir. Rien à voir. Branché en Ethernet et on en reparle. Depuis que je suis en Ethernet, je n'ai jamais eu le moindre problème de online avec un service Nintendo de ma vie, tout simplement. Bah oui. Non. L'abus est total, par contre. Ça, par contre, en train de mentir là. Enfin, dose, mets du cachot. Je suis pas dépensier. Non mais d'accord. 8,90€ sur Amazon, on va tous s'en remettre. Non, Antoine, il a déco. Il va. Non, déco, c'est pas vrai. Il va avoir erreur. Moi, j'ai un feuillet patienté chelou là. On lui offrira pour son anniversaire. Oh non, il est parti. Non, c'est chez moi, c'est vous qui êtes parti. Ah ouais. À mon avis, c'est. Tu étais d'accord pour faire une blague, mec, en fait. Tous partis en même temps. Non, chez moi, vous êtes revenu et là, ça lance. On fait les nouvelles maps dans l'ordre. Viré à Amsterdam, on va à Dame ensemble. Madame. Madame. Voilà. Oh, non.
Mais c'est Ponce le lobby là, on n'en peut plus. Super ton jeu Ponce, ouais. Mais ouais, oh. Mais c'est, je ne suis pour rien. Après, vous savez que sur Smash, si on fait une arène à 7, il n'y a pas de problème. Putain, c'est pas vrai. Si, il y a des problèmes en vrai. Je rejoins. Tu t'as pu venir, tu peux venir là, tu peux venir maintenant. T'as pris Big Blue maintenant. Parce que c'est la meilleure map qui existe. Moi j'adore. Oui, mais on veut tester une nouvelle map, mec. Moi franchement j'adore. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Moi j'adore. Vous voulez parler à Dame? On va à Dame là. Hein. On va à Dame. Hein. Mode spectateur, préparez-vous, je vous spectate. Oh non, Ah mais si t'étais là, Antoine, au Twitch. Bon. Au Twitch Rival, j'allais dire, on y était pas. Ah ouais. Twitch Rivals. Oui, moi voilà, j'ai fait mes OP incroyables. Oui, qui s'était super bien passé. Ouais, c'était vraiment trop bien. Voilà. Ouais, c'est vraiment bien. Ah, ça avait l'air de te marquer en tout cas. Putain, le départ de Myrta. Je l'ai bon, été celle-là. Ah putain, j'ai déjà oublié le sens. C'est un carton. Je l'ai tété. Si. Oliver. Oula. 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 Oliver, qu'est-ce qu'il a fait? Il va éteindre la Switch. Oula. Oliver! Du coup, je découvre pas la map, putain, ça ressemble pas à si, ça. Si, tu la découvres, regarde. T'as le dernier tour au quartier rouge avec les putes, là, ça va être incroyable. Allez, let's go! Let's go! Regarde mes lines, Antoine, je suis clean as fuck. Oh non, tu regardes toi? Vas-y, attends. Pas cool la rouge, mais tranquille. Ah, Shory, merde, je t'ai raté. Merde, je t'ai raté, attends. Il est où, Shory? Regarde, c'est le mec qui se prend un boomerang là. Non, mais c'est un chien! Pas mal, étoile, pile quand j'arrive sur toi là, c'est bien. Mais t'as refleur! Mais putain, mais c'est pas nous, on découvre les maps quoi, ça du coup. Je suis autour d'eux, je suis trop cool. On va dans l'eau à Dame. Mais c'est énorme là, étoile, là, ton gameplay là. Non, mais tu sais, regarde. Regarde JD ce que je lui mets. Oh non. Non, mais regarde, c'est pas clean? Ouais. Oh là là, le backslam direct. Attends, une chat derrière toi? Ouais. Attention à ça par contre. Pas fun. Oh, le passage through il est dramatique. En vrai, oh la banane est dramatique. T'es Benzi? Oui. C'est moué. C'est moué. Non, non. Bah alors JD? Ouais. J'ai envie de crever. On peut avoir une erreur de connexion s'il vous plaît. Non, on s'en fout, non mais ça va. Comme ça on refait. Attends, c'est Ponce en Mario Tanuki comme ça là? Non, c'est juste Mario Tanuki. Ah, c'est Mario Tanuki? Tu m'as confondu avec un bot, bro? What the fuck? Mais il était premier. Il était premier. Que tous les gens du lobby en vrai, donc. Okay. On a battu Franck, ça va déjà être JD. Tiens. De quoi? Ah, t'as battu Franck sur quelle map? Sur Riverside Park? Sur. Ouais, Antoine. Oh, je l'ai passé Antoine. Ah, mais je suis perdu. Je me suis complètement trompé d'endroit. Tiens, non? Rive, attention derrière, Rive. Ouais. Merci. Ah non, c'est bon, je finis devant. Je découvre la map aussi, je suis. Bah moi aussi, j'ai pas joué hein. Antoine, t'as fait 3ème. Je n'ai pas tété. Attends, mais Antoine t'as fait 3ème. T'as redéco, mec? Parce que non, je suis là. Mais non, mais il était en Riverside Park là. Non, ouais, mais t'as fait 3ème. Je crois qu'il est. Okay. L'honneur est sauf. C'est le bot, on a fini devant angle. Alors chez moi, t'es pas dans la room, hein, Antoine. Riverside Park. On est reparti. Oh non, l'enfer. Full lagué. Oh non. Mais c'est fou cette. Mais c'est quoi cette merde? Est-ce que t'as ta Switch ou ta box à un endroit différent d'habitude? Non. Ok. Rien de change. Bah j'ai plus de solution pour toi, désolé. Je vais redémarrer le jeu. Ok. Mais what? D'accord. En espérant que ça fonctionne mieux, Antoine. Oh désolé le chat et désolé à vous. Reste appuyé 3 secondes hein, sur la box hein, quand tu vas redémarrer ton jeu. Hein. Je redémarre important, le jeu. Important. Hein. Bien sûr. Reste appuyé, mec. J'arrive. Au pire, tu fais un partage de co avec ta 4G. J'avoue, la 4G. Ouais, c'est la version 4G parce qu'en fait, je suis à Los Angeles la semaine prochaine. Je sais pas si vous voulez dire. Ok, sorry, bro. Tu vas faire quoi à Los Angeles, mec? Je vais voir le Summit, qui est un tournoi de Smash sur invitation, et je suis invité pour recaster en français là-bas. Sur invitation, comment il drôle. Wow, excuse-nous, mec, d'avoir été invité. Bah, quoi, c'est le nom du tournoi, c'est un tournoi sur invitation. Insérez une justification ici dans 3. Non mais si c'est vrai. Mais attends, c'est plus c'est pour le show, quoi. C'est un truc avec les meilleurs joueurs invités par ceux qui organisent. Il y a les meilleurs joueurs du monde, ouais. Et toi, okay. Ouais. Mais tu non. Et toi? Moi je casse. Ah oui, c'est ça. Je vous regarde sur Riverside Park là. OK, cool. Super. Tu nous dis quand tu reçois les photos sur Facebook. Du coup, c'est dès que t'es dans le lobby que tu décores en fait à chaque fois. Je sais pas. On va voir.
c'est bizarre. Il y a quand même un pattern, j'ai l'impression. Non, là, non, dès que j'ai commencé à spectate, une erreur de communication est survenue. Mais quoi ah. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, hein, messieurs. Bonne soirée, mec. C'était quoi cool, en vrai. C'était cool, hein. Ouais, la soirée Golf Fit. Cool. Mais ouais, la soirée Golf Fit, elle va être énorme. C'était toi, Ultia, c'est cool, hein. Oh, le code names qui va arriver plus tôt que prévu. Oh, le code names 3v3. Mais attends, je retente. Hein. Ultia, est-ce que t'es prête? Faut chercher des solutions parce que. T'es prête, ça va aller très vite. Oh, connasse! Wouah! Wouah, man! What dude, what the fuck? Quel bel exemple à montrer à notre jeunesse en vrai! Ça fait plaisir! Elle va klaxonner! Elle va klaxonner! Chauffard, bouge là ta caisse! Et en plus, il me pense, c'est ça qui me fait de la peine! Putain, je suis 9ème, je suis. Ok, spectator! Wouah! Elle va klaxonner! Mais oui. Wow. Ratio Rayou pour toi et après tu fais ça, ça dégoûte. Je venais de Ratio Rayou. Oh, ratio. Ça a l'air de bien jouer à MK. Julien parle de ratio, mais je suis vraiment mais bidon, c'est ratio. Oui, j'avais fait pour toi. Oh, c'est tout ce que t'es capable de faire. Oh, mais Ultia, elle a cassé la pleure. Oh non mais. Putain, les insultes, quoi, s'il vous plaît. Le jeu est nul à chier. Ok, je vais peut-être pouvoir être avec vous. Ah. Aucun risque. Jeu nul. J'ai été trop forte. C'est nouvelle map. Honnêtement, c'est banger les nouvelles maps, les gens là. On est d'accord. Tu les kiffes ou pas, Antoine? Aucun rapport avec le pic fait que je, que je l'ai bloqué. J'ai pris Pic DK. Horrible. Ok. Je suis le seul à avoir pris, je vais déco. D'accord, Antoine. Pic DK. Ah, si tu te vois seul, ouais, c'est bizarre. Ah, je suis le seul à avoir pris le truc. Ouais, non, non. Ah non, mais je peux pas jouer en fait. C'est pas dans la room. On les joue pas, c'est pour ça, ma petite flotte. Non, mais y'a pas moyen que quelqu'un d'autre crée la room peut-être? Si, si vous voulez, ouais. Vas-y. Avant de faire le DLC, quoi. On quitte maintenant? Bah, ouais, bien sûr. Je joue pas depuis tout à l'heure, en fait. Vas-y, on s'en fout. Reste commenté, Antoine. Reste à ta place, mec. Redémarre la Switch. Juste des blagues, Antoine. Ouais, redémarre la Switch. S'il te plaît, redémarre la Switch, Antoine. En vrai, je sais que je suis relou, mais faudrait vraiment écarter la piste de Ethernet, je vous jure. Hein. Je vous jure que parfois ça résout des problèmes. Oui. C'est mystique comme truc, mais. Non, mais c'est vrai, hein. C'est mystique. Oui, mais après, on écarterait ça, comme. Enfin, tu vois. Il a pas forcément la box à côté de sa Switch aussi après. Ouais, c'est ça qui est un peu compliqué. Très très long, tu vois. J'ai créé, hein, du coup, j'ai créé. D'accord. Attends. Certains cherchent des excuses, d'autres les moyens. Oh là là. Bah, à part faire tirer des câbles, c'est compliqué. Et hein. Du coup, par contre, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai les prises CPL là, et le Ethernet de la Switch et pour mon PC passe dans l'électricité. Donc. J'avais ça jusqu'à ce que ça détruise deux de mes box. Ça a tout détruit, et du coup, j'ai ma box en plein milieu de chez moi actuellement, qui est branchée à un endroit, qui est en plein milieu, qui est reliée à mon PC avec un truc de 10 mètres. C'est un enfer. Ok, ouais. C'est un enfer. T'es bien là. Ouais, là je suis au calme. Calme, non. Là je suis bien. Au calme, non. Là c'est posé, nickel. Ouais. C'est vraiment un endroit de travail reposant, j'imagine. En fait, ça marchait bien quand on attendait Rivenzy dans la room tout à l'heure. Quoi. Mais j'avoue, Antoine, tu stream. Ah. Là, vous venez de me voir arriver là, c'est oui, ça oui, t'es arriver, là. Ouais. Bon, j'arrive, les amis. J'avoue, Antoine, tu stream en Wi-Fi? Ah non, pas du tout, non. Je stream en Wi-Fi. Alors voilà, donc t'as ta box. Pas trop loin. Ah si, le câble il fait. Et ben, prends-toi un deuxième. C'est un très très long câble. D'accord. Après, il suffisait de mettre un petit hub Ethernet et puis. Oui, tu peux faire ça, ouais. Ah, bien sûr. Bien sûr. Bah, si, tu vas faire ça maintenant. Bien sûr, je te dis tout de suite, Antoine, en fait. Hein. Sur un autre ton, hein, par contre. Hein. C'est bon, tout le monde est là. Bien sûr. Je vais me le faire livrer tout de suite, là. Merci, mec. Tout de gong. Merci, mec. Tout de gong. Oublie pas les IA étoiles. C'est moi qui ai créé. KJD, n'oublie pas les IA. Ouais, j'ai mis les IA. Oublie pas les déco, s'il te plaît. Ok. Vas-y. Hein. Antoine, est-ce que tu continues classement des. On commence depuis le début ou on fait pic DK? Non, ouais, prenez pic DK. Est-ce que, Antoine, tu continues le classement des villes de France ou pas là? Bien sûr. Et alors, ça en est où là? Je en suis à 80. Combien? 94 villes sur 150, un truc comme ça. Alors, sache que. Tu as parlé du Telegram pour Quimper? Oui, je sais. Bah oui, ils font des articles sur moi tout le temps là. Bon. Sache que. Un journaliste du Telegram de Quimper m'a contacté pour avoir ton compte. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je te jure, en mode, ouais, j'aimerais bien rentrer en contact avec Antoine, est-ce qu'il y aurait moyen, machin et tout. Du coup, je lui ai tout donné, ton numéro de sécurité sociale. C'est pas nécessaire de donner à ce point non plus. Ta carte de crédit. Bon, après, il m'a dit de donner les infos, donc j'ai tout donné. Non, dans le doute, hein. Non, mais t'as raison, comme ça, il manque rien, quoi. Je sais pas comment t'as eu mon... Oh, pic DK incroyable, j'avais même pas fait gaffe que c'était celle-là. Des gens te veulent du mal, Antoine, donc j'ai réussi à trouver beaucoup d'infos sur toi. Oui, mais ça, c'est sûr, je te le dis tout de suite, effectivement. Donc, j'ai pas encore craché le morceau, mais. Voilà, t'as mon PayPal. Je t'envoie mon PayPal, comme ça tu pourras okay, très bien. Merci. Faire le virement.
Pas de soucis, je garde le secret, mec. Putain, je joue sans bugger, quoi, pour l'instant. Bon, c'est incroyable. Ça va, Ponce? Ouais, tranquille, et toi, bro? Attention, le cut de Shroom! Ah ouais, y'a un cut ici, c'est vrai. Ok! Comment ça, c'est vrai? Tu viens de dire. Mais non! Chori du sport! De Mario Kart, oui! En léger. Et si. Rivendi, c'est fini, hein, Waluigi Wiggler. Bah on m'a dit que c'était plus la méta. Ouais, c'est plus la méta, faut arrêter. C'est quoi la méta? La méta, c'est quoi de nounours avec des éponges en Link. Ah d'accord. De toute façon, j'ai jamais été un meta slave. J'avoue. Mais Yoshi est bien, hein, Yoshi est bien, ouais. Avec le quad de nounours. Je le vois le J par conviction, hein. Mais là, je suis en scoutinette. Oui, le son du jeu est trop fort, mais j'arrête pas de le baisser. J'ai l'impression que les cartes, les maps sont pas égalisées de la même manière. Ah ouais? Mais non, mais c'est impossible. Enfin, je sais pas. Ça me semble bizarre de la part de Nintendo. Ce serait bizarre de la part de Nintendo de faire le choix de merde en vrai. Ouais. Non, mais ça doit être. Mais oui, c'est un smasher, je vais pas le tenter maintenant. Il est imprenable, enfin, il est hyper chaud. Bien sûr que non, qu'il est pas hyper chaud, Scott. Oh, je vais te tomber une merde. Mais tu tombes 10 000 ans là. Non, mais le cut, il est incroyable, il te renvoie tellement loin. Ah, bah oui. Oh non. Mais cassez tous les couilles à me rentrer dedans là. T'éclaires, s'il vous plaît. Oh là là. C'est pas le but du jeu quand même. Oh non. Non, c'est horrible. J'ai perdu toutes mes pièces à cause de vous. 8ème pour l'instant. Ah, t'es en découverte. Ouais, bon, yeah. Ah, la Zika est trop bien. Ah, c'est sympa, c'est 3 bananes à la sortie du canon. Ah ouais, moi je comprends ça, je suis en vrai. Banana Split. Chanson de Lio. Parfait. Vanda. Je la connais par cœur. Horrible. Je pourrais la chanter a cappella. Vas-y. Je l'adore. Bah, chante-la chez toi, pas à cappella, c'est loin. Ah, mais il est excellent. Oh là là, il t'a bouffé du cul ce soir. C'est très drôle ce soir. Putain, je suis tombé pendant 4 minutes au moins. Oh, mais putain. Ah, voilà. Mais voilà. Putain, ça fait deux matchs. J'étais deuxième. Mais n'empêche, je finis deuxième. Bravo. Je suis à chier. Moi, je me suis fait doubler par un bot. C'est énorme. Quand j'étais à chier, je finis deuxième. Sixième, catastrophique. C'était dur. Je suis fait doubler par Iggy. Putain, j'ai dédoublé par Iggy, quoi. Moi, je l'adore, Banana Split. Pourquoi tu l'aimes pas? Banana Split. Pour la deuxième signification. Bah, parce que c'est de la merde, en vrai, non? En vrai, il y a peut-être une corrélation avec le fait que c'est de la merde. Mais quoi? Moi, j'aime trop Lio. Je la trouve trop cool. Est-ce qu'on irait pas à Meda parce qu'Antoine, il a pas vu à Amsterdam? Bah, il veut pas. Il veut pas. Ah, okay. Ils sont fous. Non, mais je prendrais Meda un peu après. On découvre tous ensemble les trucs. Après, je prendrais Meda. Et je me roulerai un petit pilon. Un petit pilon à Meda, tu pètes. Non mais alors lui. Bah c'est pour mettre un peu d'excitation, c'est pour mettre un peu d'excitation. Sinon tout est couru d'avance. On les a joués mille fois. Okay. Mais comme ça on est en mode peut-être, ça va peut-être tomber sur ça. Voilà, tu vois la surprise du chef. Bah ouais, exactement la surprise du chef. Benzema, Kabenueve. C'est exactement ça. L'île de Yoshi. J'ai une vraie question sur Benzema. Ouais. Ok. Alors moi, je connais rien au foot et tout, donc du coup, c'est une question innocente, d'accord? Ouais, aucun problème. Et donc, du coup, maintenant... Il a déjà marqué des buts, oui. tout le monde est en gros kiff sur Benzema, etc. Et en fait, je me pose une question. Est-ce que les gens lui en veulent pour avoir fait chanter Valbuena ou pas? Alors là, franchement, j'ai pas la ref. La question, moi non plus, j'ai même pas la ref. C'est un peu dispasse, non? J'ai même pas la ref du procès. Okay. Je sais même pas comment ça s'est fini. D'accord, parce que moi je me posais vraiment en mode. Mais je sais même pas c'est quoi cette histoire en vrai. Ça, Le procès de qui? Excusez-moi, j'étais pas là. Ah, mais les gens disent qu'on s'en cogne. On s'en fout, c'est ça? Ouais, il y a pas mal de gens qui disent on s'en bat les steaks. Aux FTR. Ouais, d'accord. Il y a des gens qui disent non, c'est une grosse merde aussi. Hein. Oui, un peu, mais personne n'y prend. Ok. Les gens ont vite oublié. Ok. En vrai, ça se fait pas très sympa. Non, pas de ouf. Ouais, c'est pas insane. J'ai même pas fait. Et ah, putain gens... sympa quand même, cette... Et il y a des gens qui disent ils ont tous oublié parce qu'il a gagné avec des champions. Oh, la phrase de fou. Ah. C'est vraiment une vraie question parce que Mais il a été condamné ou pas? Je crois qu'il a été déclaré. Excusez-moi. Il me semble qu'il a été déclaré coupable. Ok. Ben, ah ouais, mais voilà. Je savais même pas qu'il avait été condamné. On sort. Quelqu'un me dit qu'il a pas été, il a pas été condamné. Mais condamné devant un juge. On t'entend très faiblement, Florence. Moi, je sais pas du tout. Okay. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en face de mon micro, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu connais au droit, Florence? Pas grand-chose, figure-toi. Benzema, c'est rien. Les gens de mon entourage qui ont pris cher, il me semble, parce que c'était lui était maître chanteur, mais en fait, c'était pas lui qui avait la sextape. Je crois que c'était un pote à lui et maître chanteur.
Comme exact. Là. Ouais. Pas tout à fait ça, mec, je crois. Hein. Quoi? Oh my bad, pardon. Trop fort, Exakil, putain de merde. Arrête, ouais. Il a gagné combien d'euros du coup au final? 350 000 balles, un truc comme ça, je crois. 350 000. Bon, c'est ok. Et il est recordman du nombre de victoires dans l'émission quand même. Hein. Ah, c'est colossal, ouais. Hein. Ouais. Pas du gain, mais du nombre de victoires consécutives, ouais. Ah ouais. Ouais, 65 victoires. Et si tu veux, maintenant, il y a moyen que nos oncles, nos tantes, nos mères, nos pères connaissent vraiment. Moi, je sais que mes parents connaissent. Du coup. Ah ouais. Ouais, bah n'oubliez pas les paroles, ouais. C'est trop marrant. Ils sont pas giga assidus, mais ils regardent. C'est ce qu'ils disaient dans l'émission de Popcorn hier, c'est qu'en gros, bah là, il y a pas mal de gens qui le reconnaissent, et pour la plupart, c'est des vieux, quoi. C'est pareil pour moi, bizarre. Ouais, bon, merde, j'ai pas participé à l'émission. Mais moi, j'ai regardé son truc là. T'as un objet de merde, dégage, putain. Putain, à la dernière minute, j'espère que t'as honte. Bah non, mais t'as trop bien joué, t'as pris Inter et tout. Ah ouais. Merci. Ah oui, donc tu m'insultes alors que t'as juste bien joué. Non, mais l'un n'empêche pas. Ok. Ok, elle a juste pris une perfect line, elle m'a regardé, elle m'a dit oh, ta gueule, sale chien. Bah ok, hein. Un jour je vais te mettre un paquet et je vais dire oh bah alors, bouffonne. Wouah. Je paierai pour être là ce jour-là, je paierai pour être là, Rayou. Alors bouffonne un gros 3-0 là, bien sale. Très bizarre à Étoile ce soir. En plus, éponge, j'ai un nouveau perso. Oh là là. Oh là là, vous allez voir, je joue Rob maintenant. Ah, t'es un méta slave fini, mec. What the fuck? Aucun salut, oui, mec. Comment débloquer tous les nouveaux persos? Malgré nos X victoires avec ma fille, on n'a qu'un perso de débloquer. Alors. Quoi? Faut jouer mieux, faut arrêter d'être à chier au jeu. Non, c'était. Non. Comment ça, qu'un perso? Non, t'en mais as en fait, plein, alors, mais si, non, c'est pas ça. Il faut attendre. L'Orienso, même. Il faut attendre jusqu'à la fin de l'année et il n'y a rien à faire de spécial. C'est ça la bonne réponse. Quoi? En fait, c'est les persos. Dans la sélection des persos, il y a 5 ou 6 points d'interrogation restants. Oui. Et c'est juste que ces persos vont être ajoutés au fil de l'année. On parle de ça. Ah, mais si on parle de ça, oui, c'est pas ça, je pense. Mais je pense qu'elle parle de Smash. Ah, Smash! Mais il n'y a pas qu'un perso sur Smash. Ah, ouais, pourquoi ça serait sur Smash? Tu parles de quoi, Xav80? Mais tu sais qu'on n'a pas la fin de la phrase d'Ultia, de la fin de la game de tout à l'heure? Xav80, tu dis n'importe quoi là. Xav80, tu nous expliques. Mais la fin. Ah mais putain, je suis pas du tout le script de la soirée là, c'est vous avez bigo. Tu parlais d'un truc Ultia juste avant la fin de la game. Quoi, que je venais de niquer Non, avant, encore avant. Revenons en fait. Au jeu, t'étais en pleine explication. T'étais en pleine explication d'un bail. OK. Valbuena. 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 Histoire de fou. Valbuena, l'histoire de Valve quoi. Mais Rayou, on ne saura jamais quoi. Mais c'est Bangkok. Je reconnais ou pas non? Qu'est-ce que je disais? Mais mec, on regarde rien non plus nous. Mais Antoine, tu le truc d'Exakil. T'as regardé Antoine. Un truc qui parlait d'Exakil. Oui, étoile, quoi étoile? Sur il y a une map Singapour, il y a les trottoirs blancs et noirs comme sur Geoguessr. Ah ouais, putain trop. Oh là là, oh l'odeur de la phrase. Ouais, ça rend trop heureux en vrai. Je veux l'anecdote. Les trottoirs noirs et blancs, ils sont trop. Ouais, vas-y, Ultia, on est désolé. Non, mais c'est en gros, j'étais curieuse donc j'ai regardé les vidéos YouTube qui publient sur la chaîne officielle de N'oubliez pas les paroles. Pour voir la performance d'Exa. Oui, oui. Et en fait, dans les commentaires, il y a vraiment Richard qui dit genre notre ancien maestro était beaucoup mieux. Enfin, genre vraiment des haters, mais de 60 ans. Pas eu le tien. Tu les as vus, les haters de 60 ans pour une émission, quoi. Mais de ouf. Et franchement, j'étais pas du tout dans ce game, quoi. Et en même temps, si tu connaissais le maestro précédent, Ultia, tu dirais pas ça, en vrai. C'est vrai qu'il était bien au-dessus que cette fraude d'Exakil. 65 victoires, il est vraiment honteux. Quel niveau horrible il nous propose. Et les gens sont vraiment tellement bien. Il y a plein de gens qui disent ouais, en plus de ça, il est hautain et tout, alors que je trouve... Quoi? Il est trop gentil, Exakil. Vraiment, Louis... On ne connaît pas la même personne. Quoi? Il y a plein de gens qui étaient trop fans de lui. C'est une patte. Ouais, ça fait des gens, ils étaient trop en mode... Non mais j'ai quand même... Enfin, oui, là je parle du négatif, mais en vrai, j'ai quand même découvert des gens très... Très engagés. Très engagé, ouais voilà. Genre alors, en mode, dis-toi que quand j'ai fait le react de... Alors je sais pas si toi t'as eu ça avec Samuel Etienne, mon cher étoile, mais quand moi j'ai fait une émission avec Cyril Ferraud, sur mon live, du coup il y avait les groupies de Cyril Ferraud. Je t'ai fait dodge. Non. Mon ah dieu, ouais, le niveau de drôle. Gênance que j'avais des fois en mode « Oh mon dieu, ouais, Cyril, je t'adore, c'est vraiment énorme !» Et en fait t'allais sur leur compte Twitter à tous ces gens-là, et en fait c'était que des photos de Cyril Ferraud avec des cœur, Cyril Ferraud, cœur.
Et il y en a sur toi aussi, frère. Il est bel homme. Il y en a sur toi aussi, hein, Rivin, tu crois quoi? Alors, Cyril Ferro. La classique, c'est sur Cyril Hanouna, mec. C'est quoi? Cyril Hanouna, les fans comptes de Baba. Les fans Zouz, genre où t'as des comptes fans où c'est des dingueries, genre en mode t'as des biographies avec marqué la date où Cyril Hanouna a like un des tweets de la personne, en mode ils font genre des... en pépé, ils ont Cyril Hanouna et tout. Ouais c'est... Enfin, je supporterais pas que des gens aient des pépés avec ma tête dessus, quoi. C'est horrible, mec. Ça me casse trop les couilles, hein. Genre imagine avec des oreilles de chat, mec. Non, ça cringe. Ça arrive la chance d'être follow par Cyril Hanouna, à part Antoine bien sûr, du coup. Je n'étais pas follow par Cyril Hanouna, mais j'étais bloqué par Morandini. Déjà c'est beau. Ça, ouais, je préfère ça aussi. Ah ouais. Non, je suis pas suivi par Cyril Hanouna pour le coup. Il s'est passé quoi avec lui? Il y avait plein d'affaires judiciaires sur son cul de merde. Et puis, j'avais fait des vannes, on va dire, un Florence peu plus. Florence. Mais Florence, c'est quoi cette map Florence de merde? Ok, je crois que j'ai compris, toi, Antoine. Mais voilà. C'est la pire map du jeu. Voilà. Du coup, je l'avais vanné. Il m'avait. Ouais, mais le but c'était de. Ok. J'ai tout entendu, t'inquiète. Je n'aurais jamais choisi ce royaume sorbet. Bloqué par Morandini parce que t'es trop vieux. Ouais, ça doit être ça, effectivement. Waouh. Moi, j'étais bloqué par David Lafarge Pokémon. Ah ouais? Ah ouais? Moi, je suis bloqué par Tiffano. Parce que. Il a des news sur Zelda, là. En fait, j'avais fait une blague de merde il y a longtemps, je crois en 2014. Oula, un truc pas drôle en 2014. Et du coup, il m'avait bloqué en 2014. Et en vrai, c'était mérité. Et 8 ans plus tard, il m'a débloqué. C'était quoi la blague? Genre. Non, j'avais fait une vanne. Il avait dit Stefano, grosse merde, j'espère que tu meurs. Il avait dit ça, franchement, pas cool. En vrai, la vanne était drôle. Non, attends, toi c'est David Lafarge. Stefano, c'est Lucas. David Lafarge, ne confonds pas tout. J'avais fait un jeu de mots de merde, mais c'était rien de border, hein, mais j'avais fait une vanne. Et en vrai, à l'époque, il vannait tout. Enfin, il bloquait tous les gens qui vannaient. Ce qui se faisait beaucoup vanner, je pense qu'au bout d'un moment t'en auras le cul. Quand tu te fais vanner une fois, tu bloques, quoi. Comme quand Zerator m'avait bloqué aussi, effectivement. Ouais, c'est vrai. Zerator m'a bloqué en 2016. Oh, putain, j'étais deuxième, je veux trop de merde. Pourquoi Zerator t'a bloqué aussi, parce que j'ai fait une blague de merde aussi sur son studio de jeux vidéo en 2016. Et il m'avait bloqué. T'avais dit que c'était un flop dwarf, c'est ça? Non, pas du tout. En gros, en plus c'est nul. C'est nul à chier. Il y avait une photo de lui en train de tester le jeu sur un PC. Il y avait une pièce de 20 centimes à sa gauche et je disais et à gauche on a le total de la rémunération des devs du jeu. C'est tout, tu vois. C'est nul à chier. T'as dit quoi? J'ai dit et à gauche nous voyons ici même la totalité des revenus des devs du jeu. Des devs. Voilà. En vrai, c'est trop méchant, marrant, mais c'est une vanne, c'est évidemment une vanne, c'était une pièce de 20 centimes. Il a aucun humour, Adrien, de toute façon. C'était une pièce de 20 centimes, c'est bon. Vas-y. C'est rigolo, en vrai. Mais après, je peux... Mais il m'a débloqué, tout va bien. Il m'a jamais... Non, dis-le, à quel point c'était compliqué. Non, c'était compliqué. C'était compliqué, mais bref, voilà. Moi, je sais même pas par qui je suis bloqué, parce que je... À part moi. Ok, par Antoine, je le vois plus sur Twitter. C'était l'épisode du gros chien, c'est ça? Exactement, mais ta réponse était ultime, j'avais rien à dire. Ultia, lâche ta banane. Oh putain, ouais, de grosse merde. Lâché. Hop là. Et en plus, t'as menti parce que pour le coup, j'étais dispo. Attends, mais Ultia, t'es méga. C'est vrai en plus. Je suis trop forte, mec. Quand est-ce que tu vas te choke? Ah là, tu vas te choke parce que tu vas pas prendre assez inter. Oh non! C'était le dernier tour! Et pourquoi, Ultia, pourquoi tu. Désolé. J'ai été meilleur que toi, Angle, sur ce coup-là, c'est tout. Ultia, non, mais t'as triché avec le bill, c'est ça la réalité. Non, il n'y a aucune réalité pour le coup. Pourquoi tu t'es bloqué par Tiffano, Ultia? Alors. Ah. Oula. Waouh, ok. Ok, je vais peut-être en parler du coup. J'ai été bloqué par Tiffano parce que j'ai dit qu'il jouait mal, voilà. Ah, quoi? Genre, t'as dit que tu joues mal. C'était en 2013. Et je sais plus le contexte exact, mais c'était en 2013, donc j'avais genre 18 ans, et je regardais son let's play sur Super Mario Sunshine, et en vrai, franchement, je trouvais le let's play nul. En même temps, quel jeu de merde, mais bref. Et du coup, genre sa manière de jouer, elle me frustrait, parce que... Mais en fait, j'ai expérimenté tout ce que je déteste aujourd'hui. Enfin, j'étais vieweuse, quoi, donc je sais tout ce que je déteste aujourd'hui, je pense, mon comportement à ce moment-là.
Mais non, mais t'as compris, genre, tu sais, quand quelqu'un vient de s'inscrire sur Twitch et qu'il backseat, tu peux pas lui en vouloir de pas savoir qu'on doit pas backseat, tu vois, ce genre de truc. Moi, j'adore tout le monde qui passe sur le chat, donc... Quel gros faillot. Et du coup, j'ai dû dire un truc du style, oh là là, le let's play sur Super Sunshine, c'est vraiment une plaie, quoi. Ouais, je me suis fait bloquer. En même temps, t'as un level aussi sur Sunshine, normal, tu trouves tout le monde à chier, en vrai, mais... C'est un jeu hyper dur. Oui, le jeu est dur, oui. Le jeu est vraiment dur. Tu dis pas, Florence ? Le jeu est bien. Le problème, c'est Sunshine, en fait. Mais arrête ! Mais comment ça, c'est le problème ? Une hateuse de Sunshine. Je sais pas s'il m'a débloqué ou pas. Bah, elle a fait un stream sur Sunshine, peut-être deux. Non, j'ai pas fait un stream sur Sunshine, j'en ai fait beaucoup trop. J'en ai fait plus que ça. Ah ouais, moi j'adore. Comment tu peux détester ? J'ai une santé mentale à ce moment-là. J'ai jamais joué à Sunshine de ma vie, je. Moi non plus, pareil. Quoi ? Ah non, toi, Ryu, c'est un jeu pour toi, ça. C'est un jeu pour toi de fou. Ah, ça veut dire que c'est un jeu tryharder de merde. Non, mais je suis plus un tryharder. Non, clairement, mec. Clairement pas, mec. Arrête. Trop pas, mec. Tu es tellement en vérité que tu peux pas te faire être dans le monstre. Non, mais je veux pas mentir maintenant, mec. Non, mais je te jure que. Non, mais là, les gens vont être en votre rang, mais les gens qui me connaissent vraiment. Je vous jure, je suis plus tryharder. Mais on te connaît pas vraiment, c'est ça ? On te connaît pas vraiment, Rayou, c'est ça ? Mec, c'est ça, mec ? Bah, Antoine, t'as dit que je suis Rayou de 2018 ? Antoine, c'est chill tryhard, c'est parfait pour toi. Non, t'es tryhard, non, tu t'es clairement... Je me suis assagi. Tout à fait, c'est vrai. Oui, mais t'as rien en disant que je suis Rayou de 2018. Ah, je reste un tryhard, ok. Moi, je peux vous dire qu'il était... Non, mais je veux dire, t'aimes bien jouer aux jeux vidéo T'aimes bien passer beaucoup de temps. Ce n'est pas un défaut, Rayou, de bien aimer jouer. Mais je speedrun, mais je chill, quoi. Non, mais ça n'existe pas, c'est pas compatible. Ça, c'est un peu bizarre comme phrase. Je chill. Non, pas trop. Non, tu chill pas, mais c'est impossible. Je vais te défoncer. Il y a aucun chill. On était tous chill et Rayou est arrivé dans le jeu. On a fumé la mèche. C'était tellement bien, J.O. Ah ouais, tu nous as régalé, en tout cas, à nous pulvériser. Il avait mis 4 fois le nombre d'heures alors que nous ça faisait 2 mois qu'on y jouait, lui en une semaine. La méta du 400 mètres, mec. Mais j'étais sur ma chaise de jardin à l'époque. Oui, c'est vrai, t'étais nerf. Bah ouais, j'avais la chaise. Bien joué maintenant. Moi c'était un buff ça. Oui, c'est un buff, 100%. C'était tellement bien la chaise de jardin, toi. Ça manque, hein. C'est mieux tes streams avant là, quand tu flottais sur la chaise de jardin là. Mais là j'ai acheté un appareil photo, du coup je vais enfin avoir une vraie cam. Ah yes. Moi il serait temps, mais j'ai pas les moyens encore donc il faudrait que je le fasse. Non, mais moi je vais toujours à la 720 là, sans câble Ethernet. C'est vrai que t'as une C920. Et ton décor, t'es vraiment infâme, mec, c'est horrible. C'est le micro de la cam, là, crampin. Je détesterais être abonné à ta chaîne, putain. Et le décor, il en est pour quoi, du coup, ils le sont quand même. Il est en fond vert, Antoine. Justement, peut-être qu'il fait du chantage pour que, comme ça, il change son matos. Il a sa wishlist, quoi. Une soirée avec Antoine où on discute, il me dit, ouais, bah là, le décor, ça arrive fort, là, je suis dessus, ça... Là, ça arrive fort le décor. C'était il y a 2 ans, je suis en mode ok. Est-ce que vous comptez faire la Zilan ? Bah, on attend le format quoi. Solo me chauffe pas trop, moi perso, mais après. Enfin, moi j'aimerais bien commenter. J'ai pas vu la liste des jeux. Putain, Antoine, tu veux pas envoyer une lettre recommandée pour qu'on commente ensemble ? Parce qu'en fait. T'as son contact aussi, non ? Bah, en fait, l'organisateur refuse de me parler quand je parle de ça. De quoi ? À chaque fois que je parle à l'organisateur de Montpellier en lui bloqué disant aussi, ceci dit, hein. En lui disant de, mec de la LAN. Ouais, j'aimerais bien caster ta LAN. Il me répond bah en fait non puisque tu vas la jouer. Et je lui dis ouais mais j'aimerais bien la cast. Il me dit bah en fait non parce que tu vas la jouer. Et le dialogue est coupé. Ah oui, d'accord. Bon, alors je vais aller voir si Stefano m'a encore déni, bloqué ou pas. Et oh, il m'a débloqué. Oh là là. Oh là là. Mais non. Mais t'es en surveillance. Mais non. Mais tu reprends le let's play de Super Mario Sunshine ou quoi ? Demande-lui s'il reprend. Franchement, faudrait que je le re-regarde pour voir si c'était justifié. Ouais, c'est... Non mais, ouais. Non, mais il est sur le live, Stefano, du coup, il a... Bonjour. Il a entendu. Bonjour. Bonjour. Grand respect. Imagine... Regarde le trottoir, il est blanc et noir. Le trottoir, il est blanc et noir comme à Singapour. Oui, effectivement. Pourquoi on est sur Singapour, d'ailleurs ? C'est Stefano. Ah oui, non, c'est pas. Ah ouais. Un pixel, l'imitation. Ah ouais. Attends, mais c'est Stefano ou quoi ? Grande imitation. Tellement pas vrai. Putain, mec. Salut, c'est Stefano. Salut, Stefano. Affronte mon regard. Ah, je suis bleu. Ah, mais ça vient de lui le même, affronte mon regard ? Oui. Non. Ouais. Ah ouais ? Si ? Bah oui, ça vient de lui. Ouais, c'est lui, affronte mon regard. Ah ouais ? Oui. Que Kamel lui avait dit quand il l'avait 1v1. Il avait un verre, il lui avait dit ça. Il lui avait dit affronte mon regard. Ouais, il lui avait dit affronte mon regard en UHC, genre. Le relou. Ah ouais, bien vu, Antoine.
Qu'est-ce qui est non, putain. Elle est incroyable cette map. Et jolie. Oh putain, je me suis auto-sniper. C'est un gap quoi. Merde. Ça me gratte. Là, ouais, elle est trop belle cette map. Putain, mais je fais n'importe quoi, c'est une. J'ai envie d'aller à Singapour. Singapour. Non, Antoine. Mais Ulti, la meilleure joueuse du monde, là. Merci. La championne d'Europe, hein, je le rappelle. Après, tu as pas fait en première, mais. Oh putain, j'ai failli me prendre une dingue. Oh putain, la dingue. Elle est vraiment belle, hein, cette map. J'ai changé ma voix en pleine course, donc je suis désolé. J'ai des retards rouges. On va rester sur cette voix horrible. Non, c'est pas horrible, il y a pire. Pas horrible, en vrai, ça va. Mais c'est juste la voix de Siphano, mais. Ah ouais, c'est Siphano. C'est pas exactement ça, mais. On est tellement pixel, mais. Enfin. T'as jamais joué au jeu. Du coup, tu joues beaucoup à Minecraft. Enfin, à Minecraft, pardon. À... Ah ouais, de fou. Mario Kart, Siphano ou pas ou Ben c'est... oui. Ok, tu développes un peu. Oh, c'est vraiment le sketch le plus nul que j'ai jamais vu. Ouais, je joue. Ouais. Putain, on dirait un TPE, quoi. Top, super. Putain! J'ai aucune insti! Ouais, bah t'inquiète, mec. Pourtant, moi, je me souviens, Siphano, une fois sur Twitter, il avait dit qu'il aimait pas mes vidéos. Ah! Mérité. Qui? Siphano. Et du coup, j'étais triste, je me dis pourquoi il dit ça, Siphano? Bah, en fait, parce qu'il aimait pas mes vidéos. Ah, dommage ça. C'était la raison. Oh, c'est. Je peux retrouver ma voix normale, voilà. Oh, c'est vraiment un backspam de raciste! C'est pas moi, c'est JD. Oh, mais genre ça. C'est vraiment. Genre ça pue la xine. Ou quoi? Ah non, mais genre ça sent la xénophobie et tout, genre. Ouais, en fait, ça sent la négativité, ça sent la haine de l'autre. Ça sent genre. Oh, ça sent le Saint-Nectaire pas cuit, genre. Comment ça? Quoi? Saint-Nectaire? Ah, c'est vrai que c'est très bon le Saint-Nectaire. Trop bon le Saint-Nectaire. Merde, j'ai repris la même map, excusez-moi, je vais te dire. Oh, excellent snipe, JD, bien joué. Ah mais en fait ça y est, on a fini les courses du DLC. Non, il en manque plein. Enfin, il n'a pas fait Mario déjà, circuit Mario. Circuit Mario. Déjà, en plus, ah, on Mario, a pas fait tu mérites aussi cette carapace parce que tu trouves que Riverside Park est une map de merde. Elle est nulle à chier, ça, mec. Déjà, voilà, ça va choquer, ça, déjà. Nulle à chier, Riverside. Et circuit Mario, t'en penses quoi, alors? Oh, elle est sympa. En vrai, pour un circuit Mario, je la trouve vraiment bien. Elle est sympa. Oh, vraiment, parce que je trouve que les circuits Mario... Elle est sympa. Le pour la première fois, là. Les circuits Mario de ce Mario Kart, je les trouve vraiment pas ouf, mais celui-là c'est le meilleur, je trouve. Ok, vas-y, à part Riverside Park, du coup t'aimes pas, c'est quoi la pire map du DLC selon toi? Bah que Riverside Park, je pense. Mais moi j'aime bien Riverside Park. Bah ouais, elle est sympa, moi aussi j'aime bien. Il y en a une qui est horrible dans le premier DLC là, qui est... les textures elles sont affreuses. Ah, dans le premier. Non, mais il parle de ce DLC là, je crois. Ce DLC oui. Juste, oui. Je crois que c'était tous les DLC. Non, celui-là, ouais. Moi j'adore ce DLC en vrai. Ah, moi aussi, ouais, je le trouve trop bien. En vrai, je trouve que les cours, c'est probablement le meilleur DLC de. Ah ouais, vraiment. Oui. Ah, je trouve vraiment bien. Moi je trouve la pire map. Les cours sont cool. La pire map du DLC, de ce DLC, non, est Pic Deka. Voilà, je le dis. Quoi et... Non, voilà. T'abuses. Oh, c'est une fraude, c'est une fraude. C'est sympa Pic Deka, j'ai bien fait. Pas vrai. Moi je la trouve vraiment cool. Voilà. En fait, après, c'est peut-être parce que t'es trop nostalgique de la vraie. Mais ça, moi ça je la trouve. Ça peut. Ouais, je pense que c'est ça parce que moi vraiment je la trouve sympa. Bon, je trouve elle est moche par rapport aux autres qui sont trop bien refaites en fait. Mais oui, peut-être. Oh, c'est dur. Il s'est pris un up ton combo JD ou pas du tout? Juste Caldrex lui-même. Ah, quand même. C'est ouf que. Putain, mais je connais pas la map, hein, ça c'est bien. C'est ouf qu'il y ait des patchs encore. Alors que bon, il y a des jeux qui mériteraient vraiment de l'équilibrage chez Nintendo, ils équilibrent pas. Mais bon. J'ai la ref. Tu penses à quoi, par exemple? Bref. Je pense qu'il pense plus à Shin Megami Tensei 5 en fait. Mais je vais pas utiliser le fantôme. Putain. Oh mais les développeurs ont pris de la drogue. Putain. J'étais bien là. Oh non Florence, t'as pas fait ça quand même. Oh si, tu l'as fait Florence. Ah oui. Grosse bouffe. Il reste encore un tour. Oh mon dieu. Non mais ouais, y a vraiment des mises à jour sur le jeu. Mais du coup Mario Kart 9 c'est pas de suite quoi. Vu tout ce qu'ils font actuellement. À chaque fois qu'on regarde un Nintendo Oh vas-y, direct, je connais pas, je suis okay, victime de ma méconnaissance de la map. Putain. Non, t'es une mytho Florence, ça fait t'es une trop mytho. Pas ce qui vient de se passer. Tu dis quoi, JD? À chaque fois qu'on prend Nintendo Direct, tu dis, ils vont peut-être annoncer Mario Kart 9. Déjà, j'ai annoncé 48 nouvelles courses, il y a eu 48 nouvelles courses ou pas? Fort. Ah, ouais. Oui, fort. Tu l'as annoncé depuis 2008, évidemment. Et bah non, parce que ça aurait pu être Mario Kart 9, justement, moi j'étais plus partisan de nouvelles maps, tu Bravo vois Nostradamus. Moi si je dis qu'ils vont annoncer une nouvelle console après la Switch, au bout d'un moment j'aurais raison, forcément, tu vois. Il va annoncer une nouvelle console après la Switch. Je suis trop nul. Non, pas devant la ligne. Non, Florence, ça va. Non. Merci. C'est horrible. Ouais. Mon niveau est dramatique. C'est le nerf là, de mon kit là. Ça me. C'est dingue. Mal. Putain, JD, le meilleur joueur du monde. Hein.
Oh, c'est nul. Et c'est toi, JD, qui avait parlé de la théorie de Mario Kart Ultimate Oui, Mario. En fait, moi, ouais. Je pense, oui. En gros, ce que je disais, il y avait que Ultia et Ponce qui étaient là, mais ce que je disais, c'est qu'à mon avis, sur la prochaine console de Nintendo, il y aura pas Mario Kart 9, il y aura Mario Kart 8 Ultimate avec déjà les 96 courses, plus genre 24 nouvelles, 24 remix et qui vont sortir les quelques manquantes et des nouvelles en DLC. Ah ouais. Oh la flemme, wow. Ils veulent pas faire un nouveau jeu. Bah après c'est Mario Kart, hein. Enfin je veux dire tu en fait, ce jeu est parfait en fait, il y a pas besoin, enfin parfait, le netcode genre, serait pas malin, ouais. Ouais en fait oui le netcode est à chier, mais je veux dire tu vois il y aura des petites améliorations comme ça, mais sur le fond refaire un tout nouveau jeu avec des toutes nouvelles mécaniques de gameplay et tout, c'est hyper risqué, et du coup c'est pour ça que je pense qu'il y aura plus Mario Kart 8 Ultimate, ça, avec quelques petites modifs. Non mais F-Zero ils en font plus, hein. F-Zero ils ont pas F-Zero, c'est fini F-Zero. Ah ouais, après on pensait que Professeur Layton ce serait fini. Je pensais même pas que ce serait fini. En fait, j'y pensais juste plus, en fait. Bah non, mais Level 5 avait fermé, mec. Ah. En fait, Level 5 avait fermé, donc c'était en mode le jeu est terminé. Genre, il y avait aucune possibilité d'être en mode. Ah, mais oui, c'est vrai, t'as raison, Rayou. Oui, c'était fermé. Il l'étonne, quoi. Donc. Bah ouais. En fait, c'était moi, c'est ma série de jeux préférée, en vrai. Et du coup, c'est celle que je suis le plus. Et à chaque fois, chaque année, je me disais, je checkais les news et je me disais, oh putain, Level 5 est fermé, je peux même pas me hype sur le fait qu'il y a un nouveau Layton. Et en fait, bah là. Mais t'es sûr que c'était fermé, Level 5? Ouais, c'était en fermé. Fait, oui, c'était fini. Ken, il me disait vraiment, c'est mort, quoi. Genre. Pour la licence, je sais, mais tu sais, pour Level 5, le studio. Ah non, le studio était fermé. En fait, le studio ne faisait pas de jeu en dehors du Japon. Et du coup, ça faisait que la Layton. Genre c'était abandonné, quoi, c'était en mode c'est impossible qu'il y en ait de nouveau. Donc okay, c'est pour ça que... Merde. C'est pas moi. C'est pas toi. Non, c'est pas moi, la fleur de feu. Il est sorti il y a quelques temps, genre que alors au Japon. C'était qui alors? Bah quelqu'un d'autre, mais vraiment pas moi, je promets que c'est pas moi. Non, ça s'était complètement arrêté. Ok. Mais moi de toute façon je vais faire tous les Layton avant qu'ils sortent. Ah pareil, j'ai envie de les découvrir. Ah moi j'en ai c'est... J'en ai fait quelques-uns déjà, mais je vais tous les refaire là. Moi ça va être un marathon. Ouais pareil. C'est exceptionnel. Oh non, le clair. Oh le bâtard, il est en bille. Oh là là. Enfin, j'avais un truc pour me protéger et tout, je suis à bête. Bah, en streamer ou en streamer? Oh Shori, vraiment. Shori, je suis japonais. Donc après, on joue à Codenames? En vrai, ouais. Bah ouais. En vrai, de fou. Et toi, je pense que tu vas aimer. T'as jamais joué, mais je pense que tu vas aimer ce jeu. Alors en fait, je vais t'expliquer, j'ai un traumatisme avec Codenames. Ah d'accord. Oh, non, je sais ce qu'il va dire. En fait, j'ai... Zerator encore? Ouais. Encore? En fait... J'ai joué une relation un peu toxique, hein, si je peux me dire. J'ai joué de tous les mots. En fait, j'ai joué 5 minutes à Codenames et Zerator arrêtait pas de dire non, mais le jeu est pas pour Étoile, il arrive pas à se concentrer, c'est de la merde. Et du coup, on a arrêté de jouer au bout de 5 minutes. Oh non. Mais quoi? Ouais. Et du coup. Cette expérience et cette merde. Cette anecdote est vraie. Voilà, je le merde. Il est toxique, hein, Zerator. Un peu, hein. Mais quoi? J'ai plus envie de jouer. Bah, t'as pas vraiment joué, quoi. Du coup, t'as pas joué vraiment? En fait, j'ai jamais joué. Il est du horrible, coup, mais quoi, il est en fait, Zera. Ah, mais que Zera, il joue avec JD surtout. Là, ça va être incroyable. Du coup, ouais, il faut juste me réexpliquer les règles et je suis chaud en vrai de jouer. Ouais, non, c'est très simple. Très simple comme règle. Ouais, voilà. C'est super facile. Et du coup, on excède et c'est par nombre pair. Du coup, bonne soirée, Rayou. Du coup, en vrai, je laisse ma place pour tonight. Mais non. Mais en vrai, je disais, étoile plus moi égale un joueur, je pense, en termes de level. Non, mais en fait, t'es pas nul, JD, c'est juste que tu penses bizarre. Donc, alors ouais, je tiens à dire, la dernière fois, Ultia, alors genre vendredi, je jouais avec Ultia et Ponce, j'étais dans la team d'Ultia, et bah on s'est fait rouler dessus pendant toute l'après-midi. Mais non, on a tout gagné de notre côté, c'est vrai. Mais après, ils ont été particulièrement forts en vrai. Hein. Ouais, après, en vrai, d'être sur nos streams en même temps, ça va être pas mal, je pense, mais. Ouais, je pense aussi. Pardon c'est sur quel jeu? Enfin, c'est sur quelle plateforme? Navigateur. Sur leur site. Sur le site officiel Codename. Ah, il y a un site! Ouais, c'est trop bien. Gratuit sur leur site. Mais d'ailleurs, je me posais la question. Vous jouez toujours avec le chat pour Codenames? Non. Le chat. En fait, non, pas quand je dois deviner, mais par contre, quand je dois faire. Ouais, c'est ça. Ouais, pareil. Quand t'es espion, tu prends le chat. Il est de ouf, hein, dans ce genre de truc. Parce que, genre, ouais, quand t'es espion, bien sûr. Furieux, quoi. Ouais, de fou. Espion, bien sûr, oui. Pas quand tu dois deviner l'enfer. Alors. Mais j'ai dit, il fait sans rien. Oui. Ah, bah non, mais faut pas utiliser le chat, sinon c'est triste. Mais non, quand t'es espion. Quand t'es espion. Chacun ses valeurs, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Je regarde pas mon chat. Hein. Oh, c'est sympa, ça permet de discuter. Moi, c'est le seul moment de l'année où je le regarde. Donc, donc vraiment, du code même, s'il vous plaît. Ouais, quoi. Si t'as 200 viewers qui te regardent versus 7000, pardon, t'as forcément dans les 7000 plus de chances que quelqu'un. Bah ouais, donc autant en profiter, on n'est pas d'accord. Comme par hasard, c'est Antoine qui est d'accord. Encore les gros streamers qui font chier, putain. Super.
Ouais, après, oui, c'est vrai. Après, c'est pas très grave. T'es pas une merde, Florence, c'est la meilleure. Non, bah là, je t'assure. Non, vraiment pas. Par contre, c'est pas bien de mentir éventuellement. Je fais n'importe quoi, voilà. Ça me fout. Mais ta gueule, Rivenzy, moi je suis positif. Mais toi t'es positif. Oh là, alors là, j'en ai vu des CSC, mais. Ta gueule, Rivenzy, je suis positif. Bah écoutez, dans mon tournoi de la semaine dernière, pour ne pas perdre mon mental, je répétais dans ma tête, tu es le meilleur. Et ça marchait. J'ai gagné. Putain, trop bien. Tu le disais pas à haute voix ? T'imagines en quoi ? Tu es le meilleur. Je suis le meilleur. Tu es le meilleur. Avec toi, j'aimais beaucoup ses streams, mais depuis que je l'ai vu en tournoi IRL, bizarre quand même. Bizarre. Mais pour j'ai gagné 3 games 5 alors que non, les games 5 ça m'arrive jamais. Non, j'ai passé des lanches, je suis une merde. Ah, comme ça, d'accord. Et putain, j'y arrive jamais, ça sera que game 5. Je suis 9ème là, let's go là. Ah, c'est déjà moins long de faire comme ça. Mais tu perds des 0-2 ? Ouais. Ah oui, j'ai reverse 3-0 deux fois et. Oh là là. Excuse-nous, bon. Adaptation. Adaptation. Tu t'as ri de ton adversaire. Regardez, c'est mon tour, messieurs dames. Regardez bien. Désolé, le gars. Oh, le backspam, il est grandiose. Je l'ai vu. J'ai un bilan 3 à cause de Ryu. Okay. Salut, c'est comment ça à cause de Ryu? C'était Ulcha qui était. Ah ouais, c'est sûr qu'elle. Ah oui. Ça va? Je sais pas, je vois un build, je regarde la map, je vois Ryu. Non, désolé. Oh! Oh, il est magnifique! Oh, il est magnifique ce cut. Oh, j'aurais pas dû utiliser là, je suis merde. Ah, mais en fait, tu peux pas sans champote. Si, tu peux. Bah, si, je l'ai fait sans champote. Ok, d'accord. Ouais. Oh la dingue. Qu'est-ce que je fais? Oh, il est beau. Oh la dingue. Oh, ça fait gagner tellement de temps par contre. Je suis pas juste. Oui, par contre, le cut il est fou, moi. Ouais, bon, le dernier tour était pas si dingue. C'est de mon mieux. C'est de mon mieux également. Putain, mais j'étais saboté sur la course. Oh la dingue, le cut que j'ai pris il était dramatique. Dramatique le dernier cut. Aïe. Est-ce qu'on peut faire Circuit Mario de Nintendo DS? Ah oui, c'est vrai, mais moi je vote pour ça depuis tout à l'heure. Ah, vous voulez mettre Circuit Mario de Nintendo DS? Mm-hmm. D'accord. Tout à fait. Mm-hmm. Et vous voulez nous imposer vos choix, c'est ça? Oui. Alors qu'on est en démocratie, bref. Alors qu'on est en démocratie, bref. Ok, super. On l'a pas fait celui-là? Non. Ah bon? Non, toujours pas, non. Non, je t'ai acheté. J'ai vu ton avis aussi, Ponce, sur Asterix Obélix, l'Empire du Milieu. Oh, il était top ce film. En vrai, je trouvais que t'étais un peu dur avec ce film. Hein. Oh, il est abominable, mec. Et c'est fou à quel point vous êtes tous allés le voir, quoi. Ouais. Non, vraiment, quoi. Mais oui, tu sais qu'on en a même pas parlé. Parce qu'on pas. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? T'en as pensé quoi, Rive? Alors, moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais parce que j'avais Juliette à côté de moi qui ne faisait que rire à tout et n'importe quoi. Du coup, ça s'en devenait drôle parce que c'était tellement nul ce que je voyais à l'écran. Mais elle rigolait de bon cœur ou... Bah, un peu, ouais. Elle rigolait. J'avais un peu honte. C'était la seule qui rigolait. Non, sérieux. En plus, elle rigole fort, tu sais. C'est vrai qu'elle rigole fort. Elle trouvait que c'était drôle. Bah, elle a passé un bon moment. Mais tant mieux. Non, mais tant mieux, comme quoi, voilà, mais bon. Non, mais moi je l'ai détesté, mais après. Mais tu aimes ce que tu veux, bon, t'inquiète, tu peux adorer. Ah non, tu as adoré toi. Moi, ok, donc Riva a adoré. Ok. Il a le droit. Bah oui. Non, en vrai, j'ai passé un horrible moment. Enfin, non, mais à ce point-là. Vraiment à chier quoi. C'est... Franchement, bah, c'est. Au-delà d'être à chier, il est affligeant. Ouais, il est affligeant, franchement, c'est abominable. Et bah, faites mieux. Adapté Astérix, mieux que ça alors. Bah, ok, bah voilà, tu seras mon Astérix, Antoine, je te le dis. Oh oui, incroyable. Alors, du coup, Antoine sera Astérix, Ultia en Obélix, Étoile en Panoramix. Oh, oui. Non mais tu sais que je suis vraiment un druide par contre. Hein. Non, mais... Oui. Non mais écoutez, je vous jure que si j'étais dans un village gaulois, je serais le mec qui vend la popote. Mais je serais vraiment ce mec-là. Je suis un druide. Mais Panoramix, est-ce que vous auriez une faucille le drapeau de l'Angola? Non, ça n'a rien à voir. Ah, oh, ça c'est drôle, ça. Oh, bien joué. Ça te fait rire, hein? Ça te fait marrer, ça, hein, Ryu, hein? Ça te fait rire, ça, connard. Ouais, c'est ça, connard toi-même, ouais. Après, parce que j'en ai vu, il connaît pas si bien que ça les drapeaux, en fait, mais bon, bref. Ta gueule, oui, on sait que t'es le meilleur, oui, c'est bon, on le sait, mais t'arrives même pas à me rattraper parce que t'es trop gaze. Je viens de te passer. Ouais, t'es une merde gaze. Le bar, ce serait JD, parce qu'il parle tout le temps, et voilà. Quoi? Il parle vraiment tout le temps, quoi. Il parle tout le temps, JD, donc c'est... JD, avec ce trompe. Ok. S'il vous plaît. Et je pense que bah Ponce il serait pas là. César, c'est pas là. Ah, tu serais César avec ton nez là. Ah non. Très grave. Wow. Avec ton énorme zen là. Wow. Ah,
quoi. Waouh. Et angle. Et angle. Angle. La chienne. La chienne. Mais what the fuck. Mais attends, il est complètement. Elle a mis des X, ça va, je rigole. Non, je vois, c'est la chienne. Mais c'est pas grave. Mais Antoine. La chienne. La chienne. Arrêtez, c'est bon. La chienne. Pardon. Non mais ça va parce qu'il est fixe, c'est sûrement le personnage préféré de plein de gens, donc ça va. Oui, c'est le personnage préféré des Français. Ah bon? Non, moi je pensais que c'était personne n'a dit ça. C'est le personnage préféré, toute œuvre culturelle confondue. Idéfix. Vraiment, ça me. Mais qu'est-ce que je prends comme map là? C'est Idéfix. Antoine, t'es pas tenable. T'es pas tenable. T'es pas tenable. T'es pas sartable, je te le dis. T'es pas tenable. Et Ultia en Obélix, ouais, c'est pas mal hein, comme idée. Ouais, ça va être stylé, je pense, à côté d'Antoine en Astérix. Je pense que c'est un bon duo, ouais. C'est bon casting, en vrai. Il y aura beaucoup de FX, hein, on va pas se mentir. mais ça va être dinguer, hein, c'est pour FX. Ah ouais, elle va me caresser en permanence. Ou Depardieu, voilà. Oh, bizarre. Tu fais caresser par Depardieu pendant tout le film. Pourquoi tu me fais caresser par Depardieu, là? Par Gilles Lelouch. Pendant 3 mois de tournage. Vraiment. Action. Vraiment très louche, Gilles H.Q. là. Pas l'angoisse. Je crois que j'ai démarré. Mais ouais. Non, et pour Julien César, ça me va bien, ouais. Qui parle de lui à la ouais, troisième ça personne. Ça lui va bien, à moitié un peu mégalo, là. Un peu moitié à poil sous une tache. Non, mais... Je vous en conjure, respectez-moi un minimum, je suis dans la conf, yo. Salut, bien sûr, ça va et vous. Attends, mais Ponce, t'as cut nos shroom? Bah évidemment, moi. Mais t'es le meilleur joueur du monde. Non, j'ai eu un shroom. Non, je suis juste César. Ah ok, trop déçu. Ah non, je J'aurais dû répondre ça. Alliance, JD, hein. Tu connais pas Jules César? Excusez-moi, Jules, vous avez votre coche qui est pas mal de votre truc, quoi. Ah bon, c'est ma coche. C'est A pour avancer. En fait, j'y arrive pas avec cette compo. Non, c'est Falbala. Oh, vous êtes trop gentils. J'ai pas mangé. J'ai presque blonde en plus, quoi. J'ai pas mangé, j'ai trop faim, putain. Il faut manger, bro, là, du coup. En bref. Bah ouais, j'ai rien sur mon bureau en plus, ça me dit. T'as rien du tout là pour ce soir? Bah non, rien, mec. Ah ouf. Oh là là. Mais en fait, je suis allé à la boulangerie parce que je me suis levé à 7h30 ce matin. Oh, bien joué! Et ma boulangerie fétiche elle a été fermée, et du coup je suis dans une boulangerie de merde. Oh non. Oh non. On a l'adresse de cette boulangerie, s'il te plaît. De merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, c'est horrible. Pour éviter la rouge. Oh. D'accord. Merde. On a bras raccourcis, non pas tellement. Non. Hein? Merci pour le dodge. À bras raccourcis. En vrai, c'est moi à bras raccourcis. Merci pour le dodge. Ah, oh, le Lego du mec, hein. La bombe, elle est exceptionnelle. On l'a mis dans une autre. Oh, le saut! Ah oh, putain, comme par hasard, ça dégoûte. Il y a une verte si jamais tu veux dodge. Ah oh, non, bro. Je vais réussir à la main. Oh, prends-le. Oui. Éclair! À la frame. Ouais, ah non! Ouais, bon! Attends, il y a peut-être un truc qui arrive, bro. Il a 12 vertes. Ah, mais putain, ouais. T'es prêt, Ponce? Ah, mais c'est pas moi, c'est plus moi. Moi, je suis dernier, c'est fini. Tout en bas. Aïe, oh non, mais je me prends un mur! Ouais. Oh, fuck, je suis deuxième! Comment tu t'es relevé de ça, Antoine? Mais comment ça, t'es deuxième? Bien joué. Mais quoi? Bah non, mais je t'ai rentré dedans, j'ai carrément. Huitième! Pardon, c'est probablement un problème de co, quoi. OMG, Ultia en mode médaille de bronze, en mode full focus. Ouais, sur le podium! On parle plus et tout, là. Putain. Mais si, je parle depuis tout à l'heure, en plus. Mais je rigole. Et pour finir sur Astérix Obélix, il m'a fait beaucoup rire parce que je me souvenais que pendant longtemps, Guillaume Canet disait ouais, allez voir le film et tout ça, machin, c'est important pour le cinéma français. Et j'ai appris qu'en fait, à 7 millions d'entrées, il touchait un bonus de 1 million d'euros lui. Oh non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça, Guillaume Canet. Ouais, pour le réalisateur, quoi. Ouais, le réalisateur. Ils ont fait les 7 millions d'entrées ou pas? Oui. Non, ils y sont là. Ah bon, ils sont même pas rentables, là, je crois, sur le film. Attends, ça, il s'appelle comment ce film déjà? Astérix. Attends, comment? L'Empire du Milieu. Astérix et l'Empire. Ils sont rentables sur le film pour l'instant. Entrée. Ils ont pas fait 7 millions? Ils ont fait 3 millions d'entrées. Ah ouais, c'est. Ah ouais, c'est un. C'est un big million ou 6 millions? Pour le budget, ouais. Ouais. Oui, en vrai, oui. Ah non, ils ont fait 4 millions 5, pardon, à l'heure actuelle. Ah ouais? Moi, j'ai 3 millions pour être rentable, je crois. Il me semble un truc comme ça. Mais genre celui d'avant en animation de Astier là. Il fait 4. Oui, mais c'est pas le même budget du tout. C'est plus cher à peu près, c'est un film d'animation. Ah ouais, c'est plus cher. Plus cher, il me semble, ouais. Bon.
Moi, il y a vraiment des trucs qui m'ont vraiment choqué dans le film, j'avoue. Enfin, choqué. Alors où je me suis dit, mais putain, je pensais pas qu'on pouvait encore faire ça en 2023. Ouais, ça faisait... Astérix aux Jeux Olympiques, c'était une purge aussi. Ah, c'était une purge de fou, mais ça date d'il y a 20 ans. Pour moi, il est mieux. Hein. Mais, enfin, c'est pas il y a 20 ans. C'était il y a 15 ans. Est à chier, évidemment. Il y a 15 ans, au moins. Et je sais pas si c'était il y a 15 ans, je suis allé le voir au cinéma, je devais avoir 12 ans, je crois. Ah si, bah donc c'est ça. Hein. J'ai pas compté. Bah ça fait 15. C'était il y a 40 ans du coup. 2008, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Ah je te jure mec, ouais, il est vieux. Moi aussi dans ma tête il était récent, mais en fait non. Ça fait mal. Ouais, pour moi ça fait partie des... Tout ce qui est pas sorti après le film de Chabat est récent de toute façon. Oui, 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 c'est genre c'est les nouveaux genre. Oui. J'ai ça avec les champions de LOL. Ah mais je connais pas les champions de LOL. Oui, c'est un peu pareil en vrai. Moi genre j'ai vraiment plein de jeux. Genre Jinx pour moi elle est nouvelle. Ah ouais, Jinx c'est une nouvelle. Ouais. Ah ouais. Oui, bah oui. Ah vous avez 45 ans. Moi j'espère que les présidents de la 5ème République, vous voyez Giscard pour moi c'est tout nouveau. Hein. Ah oui, Giscard c'est pas tout nouveau quoi. Ça vient de sortir. Et donc ouais, je disais, tous les personnages féminins de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, se font draguer à un moment donné. Oui, mais ça pose un problème. Et genre, en vrai, ils se font plus draguer en 2023, il tient ça. J'aime les femmes, donc j'ai le droit de... On peut plus aborder des femmes dans la rue. Ils se font pas juste draguer, en fait, ils se font draguer de manière très insistante à plusieurs reprises malgré les refus. Et genre même le personnage de la... De comment dire Oh là là. Thank you very much. Comment elle s'appelle, tu sais, la meuf toute à la tête de la Chine. C'est quoi la présidente de la Chine. L'impératrice. L'impératrice, merci. Donc, l'impératrice de Chine, qui est du début à la fin du film, genre, tu sais, elle a le cœur froid, la tête haute, tu vois, elle se laisse pas dépasser par ses émotions, etc., etc. Et en fait, elle se fait draguer de manière... Ça reste une mauvaise, quand même. Elle se fait draguer de manière... Bah, c'est ça, en fait. Bah, en vrai, c'est ça, du coup. Très lourde. Oui, voilà, donc elle se fait draguer de manière très, très lourde par Ramsay. Par Ramsay. Qui s'appelle Ramsay dans le film, hein, d'ailleurs. Oui, c'est Ramsay de Rick et Ramsay, la série H. Que tu fais dans le film, what the fuck. Et en fait, genre, elle dit rien, elle le regarde, elle lève les yeux au ciel en mode c'est quoi ce bouffe qui me drague, etc., etc. Et à la toute fin, on sait pas pourquoi, elle succombe. Il lui dit qu'elle est belle. Quand elle s'énerve. C'est ça. C'est ouais. Ah, bah voilà, quand t'es en colère, tu es belle comme ça. Oh, voilà. Et ça, je me rappelais plus, j'avoue. Primus Ramsay Line. Et à la fin, elle sourit pour la première fois, justement. Il lui dit qu'elle est belle et du coup, elle est en mode. Voilà, elle finit un peu dans ses bras. Mais du coup, oui, elle est un peu in love à la fin. Ouais, du coup, c'est. La moralité, c'est forcé. Vous aurez toujours. Vous finirez par avoir quelque chose, quoi. Ça fait un peu ça. Avoir votre objectif. D'accord. Ah oui, Moralité. Ouais, bah, tu trouves pas, Riff, que c'est ça qui s'est passé? J'ai pas trop fait gaffe. En fait, j'avoue que le personnage de Ramsay m'a un peu exaspéré minute 1, donc je crois que je regardais mon téléphone pendant les scènes de Ramsay, je crois. Ouais, bah voilà, bah, c'est dire le bail, quoi. Bah, je crois, hein, mais... Enfin, bah, du coup, quand je dis que c'est une abomination, le film, t'es pas d'accord? Tu sais que j'ai vraiment préféré Astérix Obélix aux Jeux Olympiques, hein. Vraiment, j'ai... Ah, mais que le film moi aussi, pour moi, il est mieux. T'étais jeune, c'était l'époque où t'avais le spectacle de Kev Adams, mec, donc forcément. Je l'ai revu quand même depuis, je crois. Ouais, ça va? Ça va. Et j'en parlais l'autre fois en live. C'était pour moi le pire film que j'ai vu, mais je l'ai déjà dit il y a pas si longtemps. C'était Bad Buzz d'Eric et Quentin. Ah, apparemment c'est horrible. On m'a dit que c'est vraiment horrible. Ouais, Bad Buzz d'Eric et Quentin. C'est quoi ça? Tu vois qui c'est, Eric et Quentin ou pas? Non. Eric et Quentin. Non. Ils étaient dans le petit journal. Ils étaient dans le petit journal à l'époque, dans le quotidien, machin. Ils étaient déguisés en femmes et tout. C'était des humoristes un peu. C'est pas les mêmes? Mais non! Mais non, tu confonds avec. Ah, si, je vois qui c'est! Alex Lutz et Bruno Sanchez, rien à voir. Ah merde, je croyais que c'était ceux-là, je croyais que c'était. Si, je vois très bien qui c'est. Non, tu confonds avec Liliane, machin, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, oui, Catherine et Liliane, interprétées par Alex Lutz et Bruno Sanchez. Et ben, my bad là-dessus, je pense. Non, eux, ils faisaient des sketchs vraiment pas ouf, je vais pas mentir que c'était peut-être pas là où ils excellaient. Non, mais JD, tes goûts, quoi, en même temps, bref. Non, mais bro, arrête. Vas-y, roule, non, mais c'est sûr que dans tout ce qu'ils ont produit, il y avait quelques trucs qui pouvaient être pas mal parfois, mais en vrai, globalement, ils étaient pas réputés. Ça s'est essoufflé, en fait, voilà, c'est ça. Ah, je sais pas s'il y a eu un souffle, hein. Mais bref, et donc ils ont fait un film au cinéma. Et le film est une purge atomique, mais vraiment un truc insane. Ah ouais, à ce point-là. Et en fait, le film a tellement été un bide, que ce soit critique et commercial, il a fait que. Je crois qu'il a fait que
45 000 entrées, un truc comme ça. Waouh. Genre les mecs venaient de la télé, donc il y a une mine de temps été. Et en fait, voilà, à l'heure actuelle, en fait, il n'est même pas trouvable en Blu-ray slash DVD. Et il est disponible nulle part. Juste parce que ça a vidé. Ouais, ouais, parce que vraiment, ils veulent faire oublier le film. Genre, vraiment. Oui, il faut pas que les gens le voient, quoi. Mais ouais, vraiment. Je te jure. Façon E.T. là. Jeu E.T. Ah, putain. Mais et du coup, je l'ai chopé avec un pote en mode streaming pirate là. Mais non. Et ouais, mon petit poteau là. Bah, c'est fait ça, toi. Et on l'a maté en pensant qu'on allait se marrer. Et en fait, c'était juste. C'est affligeant quoi. Mais moi, en fait, c'est vraiment éprouvant quoi. Je pensais que j'allais rigoler aussi. Et en fait, c'est vraiment. Ouais. J'étais pareil, j'étais affligée. À un moment donné, je me suis tournée vers un pote avec qui on était à ce moment-là. Et je lui ai demandé si vraiment c'était fait exprès que l'actrice elle joue aussi mal quoi. L'actrice, c'était son premier rôle au cinéma. C'est peut-être un comique. Sympa, elle est sur le chat là. Elle est sur le chat là. Ah bah, je suis désolée, mais il faut rester. Bah, c'est la réalité, c'est catastrophique. Il faut rester sur le chat. Faut rester sur le chat. Mais quel connard. Comment tu parles, toi? Il a vraiment dit ça. Ah non, mais enfin, vraiment, c'est horrible. Je me suis vraiment demandé si c'était fait exprès ou pas, quoi. Mais elle est. D'acteur aussi qui était incroyable, quoi. Elle est commissaire au compte, ouais, elle est pas du tout comédienne. Juste, elle sait faire du kung-fu. Voilà. Et en fait, c'est vrai, il a dit c'est pas une vanne, ouais. Il y a eu 300. Il y a eu 300 personnes qui ont été auditionnées pour ce rôle-là. Évidemment, dans les 300, l'immense majorité c'était des comédiens. Et finalement, ils ont choisi elle, qui n'était pas une comédienne. Ouais, qui est une. Comédienne. Qui est du coup une commissaire. Priseur, je crois, effectivement. Okay. Et c'était son premier rôle au cinéma. Voilà. Ah ouais. Oh la dingue. Et en fait, quand elle est apparue à l'écran, enfin, je sais pas si ça t'a choqué ou pas, Arrive, mais moi, je me suis. J'ai cru que c'était une vanne, hein. Si c'était fait exprès. Ouais, pareil. Qu'elle joue aussi mal, je me suis dit, il y a un monde où le fait qu'elle joue mal comme ça, c'est un peu. Je sais pas, c'est pas comment. J'sais oui, pas tu joues au jeu. C'est vrai, pas. Mais c'est un peu non, la faute de Guillaume Canet, tu vois, qui a pas su. Oui, bien sûr. Et de l'avoir choisi aussi. Enfin, en soi, tu vois. Il est obligé de choisir quel. En fait, c'est le deuxième. Enfin, après Astérix Obélix, c'est le personnage principal. Comment tu fais pour. Ouais, en vrai, c'est un peu cata. Pour choisir quelqu'un qui n'a jamais fait de cinéma avant. C'est un peu cata. Ouais. C'est particulier. Elle aurait. Enfin, je comprends pas trop, tu vois. Genre, vraiment, à un moment donné, au tout début du film, la. Ouais, j'ai. C'est chaud, là. Désolé. Il faut manger, mec. Ça va? Non, j'ai l'hypo qui tourne la tête et du coup j'ai pris du sucre, mais là ça va. Genre là c'est bon là. Tu n'as pas mangé? Bah en fait j'ai mangé. Non mais j'ai mangé, mais j'ai pas mangé assez. Bon, mange plus. Mange. Hein. T'as mangé quoi? Mange plus. J'ai mangé une baguette avec du saumon dedans, mais c'était pas assez.